Hey, 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 bienvenue dans Rapside. On est samedi, il est 21h30, on est en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch et évidemment sur C-Direct. Hey, on est là jusqu'à 23h. C'est chaud, c'est sucré, c'est salé. Il n'y a plus de boîte de nuit. Et c'est même pimenté. C'est ça, c'est ici que les bails se passent. Et bien voilà, comme tous les samedis, on vous fait découvrir un nouvel artiste. Hein, et ce soir, une grosse surprise pour vous. Mais d'abord, avant tout, je vous présente mon équipe de choc, Eleonore. Yeah. Belisa. Salut. La femme papale. Hey. Et bien sûr, Lolo, c'est de l'eau. Alors, vous le savez, hein, tout à l'heure, on aura quelqu'un aussi en Skype avec nous, un artiste dont on avait déjà fait la sélection. Donc, je l'ai resélectionné cette semaine parce que voilà, c'est la fin de l'année. Et c'était mon morceau préféré. Mais avant tout, je vais vous présenter l'artiste qui était avec nous ce soir. Maintenant. Il est beau gosse. Okay. Il a le swag. Oh là là. Il est dans le ministère d'une joke. Oh là là. S'il vous plaît, applaudissez si fort. Mais merci, c'était lui-même de me recevoir, c'est sympa. Eh bien, écoute, tout le plaisir est pour nous. Et puis, je vous avais dit, hein, bon, vous avez dû le voir sur les réseaux, on vous a dit, dans Rapside, on a percé. Hein, on a percé jusqu'au point que ce soir, on a une grande figure. Hein, quelqu'un qu'on aime beaucoup, quelqu'un qui est actif, hein, d'accord. C'est qui? C'est Claudie Siaf qui est avec nous ce soir. Bienvenue dans Rapside, Claudie. Merci, Stélina. Merci, mes drôles de dames. Non, parce que vous êtes plus nombreuses que les drôles de dames dans la série télévisée. Mais ouais. Ça le fait. Mais c'est pas beau, ça, d'être entouré comme ça. Ouais, non, mais moi, je fais pas de différence, moi. Mais je reconnais que... Vas-y, Siflon, vas-y, dis la vérité. Non, c'est sympa d'être entouré. Bah, moi, j'adore mieux. Être entouré. Ah bah, c'est mieux. Bah, en tout cas, on est ravis vraiment de vous retrouver, enfin, de vous avoir ici ce soir. Franchement, c'est un grand honneur pour nous, vraiment, Claudie, que merci. Tu sois là, vraiment. Donc, merci d'être venue ce soir. Alors, vous qui êtes avec nous tous les samedis, si vous nous rejoignez, n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous tout au long de la soirée, en direct sur le chat, sur Twitch, ou alors en nous appelant au numéro suivant que... Belisa va nous donner avec sa jolie voix. Avec plaisir, avec plaisir. Alors du coup, appelez-nous au 07 71 59 62 68. Tu ne le connais pas 07 par cœur. 07 71 59 62 attendez. Ici, on est chez Rapside. On est sabotage. Chez moi. Hein, pour ne pas venir relever les défauts ici, là. Non, c'est pas je bien. Je relève rien, moi, je... Alors, vous le savez, hein, dans Rapside, tout le monde compte. Hein, ils sont venus, ils sont là derrière, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans un guet-apens. Hein. On a un public ce soir avec nous. Applaudissez ouais le public. Et bien sûr, hein, cette fois-ci, on ne va pas l'oublier, il y a DJ RG. Et ben voilà. En tout cas, moi, je suis super contente parce qu'en plus aujourd'hui, c'est le 237 qui est représenté, hein, le Cameroun. Absolument. Hein, c'est ça. Au boss dans la maison. Cas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Si Fort, c'est ça. Bang bang, DJ RG balance le son. Est-ce que vous êtes là ce soir dans Rapside? Alors, c'est comment? Allez, oh, allez. Le son est tellement bon qu'il ne veut pas exploser dans la machine. C'est trop lourd. Le son est trop lourd. Bon, c'est pas. En tout cas, hi. Il s'est fait attendre comme Sangoku revenu de chez Caillou. La gola est trop toxique, Joanda. La gola est trop toxique, Joanda. La gola est trop toxique, Joanda. La gola est trop toxique. Yo, go, t'es fraîche et sexy, ouais, j'aime tout ce que t'as. Je suis pas le seul à tes mains, ils ont tous fait ça. Une bombe est explosée dans tout ce tas. Je m'excite, mon café, je une douce tasse. Je sais que t'entends ce que je dis et t'attends la croche. Que je m'intéresse à ta vie, envie d'en mettre. Faut baisser. J'ai vu, les gens étaient déjà partis là dans l'ambiance, hein. Alors c'est comment ce soir? On va parler avec deux jeunes hommes. Alors Sifort, tu vas nous dire un peu, nous raconter ton parcours ici. Il n'y a pas d'interview, préparez-nous. Moi je marche au film, hein. Tu vas nous raconter un peu ton parcours. Ça commence comment? Comment tu te lances dans la musique? Qu'est-ce qui te donne envie de chanter? Dis-nous, raconte-nous. En fait, si tu veux, déjà moi je suis un rappeur qui fait de l'afro.
Tu vois, je préfère l'appeler comme ça parce que j'ai commencé à rapper quand je suis venu en France après mon bac pour mes études à la base. Okay. Et puis j'ai fait mes classes dans le rap français, tu vois. Et tout a un peu, on va dire, je parlerai pas de tout a basculé au moment où j'ai fait un petit retour au Cameroun. Okay. Et à ce retour là, j'ai juste eu envie de mélanger en fait mon rap avec ma culture afro. Je parlerai même pas seulement du Cameroun, avec la culture africaine, parce qu'aujourd'hui il y a l'Afrique. L'Afrique c'est grand, et c'est pas que les Camerounais. C'est tout le monde, c'est la Côte d'Ivoire, j'y inclus les Antilles, la Guadeloupe, tu vois, c'est un tout. Et c'est pour ça que si vous regardez bien, on a tous à peu près des sonorités qui se rapprochent. Que tu ailles au Sénégal, que tu ailles en Côte d'Ivoire, que tu ailles au Cameroun, que tu ailles... Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, par rapport à ça, en 2016, donc du coup, on a monté un label qui s'appelle le label Obosso Sound, où on a sorti notre premier bébé. Obosso volume 1, d'ailleurs Claudie m'avait reçu pour la sortie de ce projet là à Couleur Tropicale. Et tout au long on a balancé plusieurs singles, et là on est en train de préparer le volume 2. Okay. Donc il y a pas mal de singles qui y sont, notamment 20 minutes que vous avez ma foi apprécié, c'est cool. Salam Aleykoum aussi, un titre qui est sorti. Voilà, donc voilà, Si Fort, c'est pour moi, c'est aujourd'hui, je me fais appeler donc le ministre d'une joka, mais musicalement, ce que je fais, c'est de l'afro swing en fait, c'est ce que j'appelle l'afro swing. Alors, pour ceux qui viennent pas du Cameroun, qui savent pas un peu parler tout ça, l'une joka, c'est quoi? C'est la fête. L'Njoka, c'est comment on dit, le ministre d'Njoka, c'est le ministre de la fête, le ministre de l'enjaillement. C'est ça. Et Obosso, ça veut dire quoi? Obosso, ça veut dire aller de l'avant. En fait, c'est une vision justement que j'ai eue, parce que ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Obosso, c'est pas le temps pour les regrets. Obosso, c'est une vision positive. Obosso, ça veut dire perds pas ton temps. Obosso, ça veut dire j'aide mon frère parce que je veux le faire avancer. Obosso, c'est un million de trucs qui réunit en un seul mot énormément d'émotions. Et c'est pour ça que à chaque fois que je commence, voilà, c'est ça. À chaque fois que je commence un morceau, je dis Obosso, c'est pour ça. Donc voilà. Ce soir, Obosso, ça veut dire on est ensemble. On est là pour faire avancer Rapside. Voilà, c'est l'idée, tu vois. Donc quand Claudie vient donner de la force, quand Si Fort vient se présenter ici, c'est parce que entre frères et sœurs, on fait avancer le mouvement. C'est l'idée. Ok, d'accord. Alors Claudie, je pense qu'on ne te présente plus, mais pour ceux qui ne vivraient pas sur la planète Terre, hein, qui ne sauraient pas qui tu es, comment te présenter? Oh, moi je suis simplement un afro-caribéen de la Guadeloupe, né à Paris, ayant passé une partie de mon enfance et adolescence dans un petit village de Haute-Provence. J'étais le seul noir à 100 km à la ronde. T'imagines, avec « Oh, viens voir le petit noir. Oh, comme il est beau quand même pour un noir. » Oui. J'ai eu droit à ça, étant enfant, j'avais 10 ans. Mais j'aime à dire que toutes ces terres-là sont des terres qui me composent. Mais le socle de mon identité, de ma personnalité, c'est mon afro-caribéanité. Et ça, pour moi, c'est très important. Et c'est peut-être justement toute cette diversité de culture, que ce soit territoriale, culture, mais ethniquement parlant également, qui explique le métier que je fais probablement aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde un petit peu complexe où la différence est forcément, parfois en tout cas chez certains, un facteur de rejet. Et moi, je suis très heureux d'être un afro-caribéen, parce qu'on est aux avant-postes de ce que sera l'humanité de demain et de ce qui est déjà l'humanité par cette diversité, par ces mélanges. Eh oui, c'est la vue, tu gagnes, hein, comme on dit. Alors, tu parlais de casquettes, là, t'en as qu'une, mais en fait, là-dessous, il y en a plein d'autres. Donc, d'abord, tu étais chanteur. Danseur, avant. Danseur. J'ai commencé par être danseur. Alors, danseur, chanteur. Théâtre. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait de la radio. Okay. Chanteur après. Chanteur après. Là, je fais la chronologie. Oui, non, mais c'est bien, comme ça, les gens te découvrent, ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, t'es animateur aussi. Hein, donc Couleur Tropicale, où tu reçois beaucoup d'artistes. Hein. Voilà, il reçoit vraiment beaucoup d'artistes. Hein. Il faut être gentil avec lui ce soir. Pas que.
pas que, non, non, mais il y a plein de choses que tu fais. Tu vas nous expliquer tout au long de l'émission. Ouais. Mais en tout cas, moi, je voulais vous dire, hein, les filles, si vous avez envie un petit peu de zouker, de lover, en plus, il était beau gosse. Bon, il est toujours beau gosse, mais avant, il était. Non, parce que il était là, à un moment donné. Un peu. Non, 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 mais as-tu senti que derrière toi, il y avait une sorte de menace? Non, il y avait pas ça. Attends, sentez. Tu vois, j'ai mes gardes du corps avec moi. On peut dire les mêmes choses à un certain âge, tu vois. Donc on mais ça, c'est quoi ça? Bon, alors on va. Non, mais tu as raison. Non, parce... non voilà. Mais tu as raison. On ne peut pas être, on ne peut pas être et avoir été. Ben voilà. Mais bon, la beauté n'a pas d'âge. C'est ça. Il est beau gosse, quand même. Il est beau gosse. Il est bien conservé, on va dire. Elle continue. Vas-y, Stélina, vas-y, non, rame. En fait, moi, rame. Alors en plus, ce qui est important en ce moment, dans ton actualité, c'est aussi, il faut savoir que Claudie, il est présentateur sur The Voice Africa. Donc ouais. Ça, je trouve ça mais énorme. Quoi. Pourquoi? Bah, je trouve ça énorme parce que déjà, qui est ça, une grosse émission comme ça, je pense que c'est un plaisir en tant qu'animateur, même dans ta carrière, ça doit être énorme de découvrir comme ça des artistes. J'ai vu, en plus, tu es bienveillant. Tu vois, c'est ce que j'aime beaucoup. Mais dans toutes tes émissions, dans tout ce que tu fais, tu es bienveillant. Déjà, tu es là, ça veut dire que tu es bienveillant aussi envers nous. Donc, je trouve ça énorme. Moi, j'ai trouvé ça énorme. Je t'ai trouvé vraiment génial dans ce que tu fais. Et puis, bon, voilà, tu côtoies de grands artistes. Et franchement, c'est impressionnant. Moi, je trouve ça impressionnant. De là où je suis, en tout cas, je trouve ça impressionnant. Alors, oui, c'est vrai que c'est un bonheur permanent. Là, on va reprendre enfin pour terminer la troisième saison. Ouais. Et alors moi, à la fois, je fais mon métier, mais j'aime aussi les jeunes talents, j'aime les artistes, j'aime que ça se mélange. Il y a une histoire quand même. C'est un bonheur pour moi de faire The Voice. Je n'avais jamais regardé ce programme-là avant de le faire. D'accord. Que je n'avais jamais mais regardé aux Nico. Non, jamais. Ni ce que fait Nikos, qui est un ancien de RFI d'ailleurs. J'avais jamais regardé. Et au moment où on me propose de faire l'émission, je dis bon, bah, à ce moment-là, il faut quand même que je regarde à quoi ça ressemble. Bah, donc je regarde. Et puis je trouve ça évidemment sympa comme type de mécanique. Alors pourquoi je disais ça a une histoire? Parce que j'ai été avec mon associé Charlotte, qui n'est plus de ce monde. Nous avons été à l'origine de la première compétition musicale en Afrique de ce type-là. Au moment où il y avait la Starac, au moment où aux États-Unis il y avait American Idol et en France la Nouvelle Star, eh bien, au départ on nous avait proposé que ma boîte de production produise la Star Academy. Et puis le promoteur, qui était un opérateur de téléphonie mobile, s'est cassé la gueule. Donc il n'a pas pu. Et puis je dis à mon associé Charlotte, je dis écoute, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas notre propre compétition? Et on a créé Africa Star. En 2008, et ça a été la première compétition en Afrique. Moi, j'aime bien créer des choses comme ça, être à l'origine de. On a fait une première saison qui a très bien marché, une deuxième saison qui était beaucoup plus compliquée, qui s'est tournée entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. La première édition, c'était au Gabon. Et puis après, on a arrêté. Et puis voilà. Et puis The Voice aujourd'hui. Bah, tu parles de découverte d'artistes. Alors, tu sais que nous, vous le savez, on est diffusé sur C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. Et toutes les semaines, donc, je sélectionne un artiste venu d'Afrique, de n'importe quel pays en Afrique. Et là, ce soir, on a avec nous un artiste que j'avais déjà sélectionné, qui s'appelle THB Soldier. Et donc, il est avec nous, normalement, si Richard nous donne la connexion. Salut THB, tu vas bien? Salut. Ouais, ça va. Bienvenue dans Rapside. Enfin, tu es là. Alors, comment ça va? Non, ça va et vous? Ah bah ça va. Est-ce que tu as vu le plateau auquel tu participes ce soir? Il y a Sifor avec nous, hein? Et puis il y a Claudie Siard. Bon, il y a Claudie Siard. Je suis déjà content. Ça me fait plaisir. Eh ben voilà, c'est ça. En tout cas, tu restes avec nous. On va un peu parler aussi de ton parcours. Mais moi, je pense qu'il faut que on va se lancer direct dans le vif du sujet. Hein. On va s'ambiancer. Il a dit qu'il est le ministre d'une joke. Donc ce soir, on veut danser, on veut twerker, on veut zouker, on veut tout faire. Donc on va balancer ton premier son. Alors, tu as le choix. Soit tu te mets là, faire un live tranquille, mais moi je pense que ce serait mieux là. Comme ça, on s'ambiance tous ensemble. On va se mettre quoi, 20 minutes pour 20 commencer. Minutes, c'est parti. C'est ça. Bon, c'est si parti. En, si en 20, bon, je pense qu'il te faudra moins de 20 minutes pour nous séduire. Mais en tout cas, voilà, la température est lancée. On est toujours en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch et évidemment sur C-Direct. Est-ce que vous êtes là ce soir dans Rapside? Ok, il est avec nous, c'est Sifor. Il est là, il nous vient du 237 et son morceau, c'est 20 minutes. Il est disponible aussi sur toutes les plateformes de téléchargement, évidemment sur YouTube. C'est le clip est également disponible. On dit quoi? Ça dit quoi? Ah,
gaulas sont trop toxiques. Je Wanda. Les gaulas sont trop toxiques. Je Wanda. Les gaulas sont trop toxiques. Je Wanda. Les gaulas sont trop toxiques. Nyango, t'es fraîche et sexy. Ouais, j'aime tout ce que t'as. Je suis pas le seul à tes mains. Ils ont tous fait ça. T'es une bombe et t'exploses dans tout ce tas. Tu m'excites, mon café. Je une. Je sais que t'entends ce que je dis et t'attends l'accroche. Que je m'intéresse à ta vie en vidant mes poches. Que l'on parle de tes blèmes, surtout pas tes proches. Tu veux un mec intelligent qui n'est pas trop. Que j'éclaire ta vie. Ouais, je rapporte la torche. T'es arrivé en Clio, tu repars en Porsche. Tous ces gestes subtils sans trop m'approcher. Si j'arrive à faire tout ça, c'est une case cochée. Joom dans ma vie, j'ai ce temps d'une minute. Accorde-moi une danse, ouais, c'est juste deux minutes. Le temps de prendre un verre, ça fera 10 minutes. Si ça clique à nous deux, on a gagné 20 minutes. Mute, mute, Nyango. 20 minutes, à qui Nyango. On a gagné 20 minutes, hey, Nyango. 20 minutes, je t'attends, maman. Vu comment tu danses, je ne peux m'empêcher d'être gourmand, de commettre un péché. T'aimes mon phrasé, mon français est léché. Ah ouais, tu transpires, tu coules comme un litchi. T'approches pas de moi, ouais, ma voix est pitchée. Barman, j'ai soif, ramène-moi un pichet. Rapporte-moi tes hanches, ouais, ça devient cliché. Je frotte sans les mains, ouais, sans trop m'afficher. Batman, je suis où sans mes Batman. Faut que je l'allume toute la nuit pour pas qu'elle parle mal. Elle fait le mystère, mais quand je suis Batman, elle fait encore plus. Donc elle whine toute la night, c'est ça. Joom dans ma vie, juste le temps d'une minute. Apporte-moi une danse, ouais, c'est juste deux minutes. Le temps de prendre un verre, ça fera 10 minutes. Si ça clique à nous deux, on a gagné 20 minutes. Mute, mute, 20 minutes. Mute, mute, on a gagné 20 minutes. Mute, mute, Nyango, 20 minutes. Mute, mute. Je t'attends, maman. Ego, elle est logique. Je la regarde dans les yeux et je cogite. Je t'attends, maman. La grossie est trop jolie. Je t'attends, maman. Quand t'es wine, ses fesses, ça se jolie. Ça fait quoi? La gala est trop toxique. Je Wanda. La gala est trop toxique. Je Wanda. Les gaulas sont trop toxiques. Je Wanda. Les gaulas sont trop toxiques. On est en bas de gif. Après quelques bouteilles dans le ciel, SPL est jusqu'à l'hôtel. On veut juste. On veut juste ouais, en bas de kiff. Après quelques bouteilles dans le CLSPL jusqu'à l'hôtel. On veut juste on veut juste ouais. Je vois ça. C'est ça. Si fort dans rap sec. On a dit qu'on faisait quoi en 2020. Allez viens, on l'est fini, non. Comment tu vas faire ça? Je dis quoi? Comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ça? Si fort, si fort est dans rap sec. 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 Si fort, si fort est dans rap side. Si fort, si fort est dans rap side. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. C'est cool. En tout cas. Ça balance ou ça se passe comment? Vas-y. On enchaîne. Mon DJ, mon meilleur DJ, envoie ça seulement. Qu'on enjaille nos petites. On est là. Comment ça se passe? Et qu'on enjaille Claudie aussi. Si fort, il est là dans Rap Side. Bang, bang. On est là tous ensemble, là. Avec Claudie. On va demander à l'ami D s'il a écouté ça. Au microphone, je suis fort, je suis un bad killer. Afro hip hop, je suis sportif comme Phil. Passe le bigot, j'ai la victoire au bout du fil. MC, je te refroidis et te donne mon chin chill. T'as eu des gosses, mais tu gardes ton sexe à pile. Ma vie, une bande créative. Un peu. On va kicker toute l'année, oui, y'a pas de mi-temps. Tes textes ont peu de goût, ton RAP n'a pas de piment. J'suis frais, donne son boule, pas ses sentiments. T'es la RDV à Orly, c'est palpitant. Au bosso dans la maison, si ça kick, c'est moi. Si pas RAP évident, tu fais pas chinois. J'ai du flow un peu trop, il est illimité. J'sais pas ce que veut dire le son, demande à Olamide. Mouna Sawa, jusqu'à demain, tu peux nous imiter. J'ai le rythme dans la peau comme un Olomide. Et ça fait Motibana, celui qui te plaira plus que moi n'est pas là. Tu sais où aller si tu veux planer. Je suis un dernier Doliprane, le seul qui peut te calmer. Calmer, ça fait Motibana, Sibate, Sibate, Claudie, Sibate, 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 Claudie. Ouais, c'est du bon, c'est du bon. Ok, super. En tout cas, le gars là est toxique, Joanda. Le gars là est toxique, Joanda. On reprend notre souffle là. Ouh, t'es si fort. Moi je suis pas essoufflé, hein. Je pouvais encore continuer. En tout cas, on va voir. Et ben voilà, c'est ça, Rapside, hein. Hein, bang bang ou pas, les filles? Bravo à vous, les filles, applaudissez pour moi. J'ai vu, hein. Franchement.
Mais je voudrais poser une question. C'est quoi le dans le titre le on est là pour Oh non, c'est quoi le c'est, ça c'est la finalité. C'était une façon simple de faire bouger le Ça. Toi quand elle danse là en bas d'une Ah c'est pour aller pas dire les bêtises, d'accord. On veut juste pan. Bon. Ah, c'est pour danser et après aller au restaurant pour manger quoi. C'est ça. C'est ça. D'accord. Ouais, chinois ou chez moi. Alors, c'est fort. Oui, c'est ça. Les inconnus. Ouais, c'est ça. Les inconnus. Alors, dans ta façon d'écrire, alors ouais. C'est vrai, tu l'as dit, tu mélanges beaucoup tout ce qui est tes sonorités africaines et aussi le dialecte. Hein, tu mélanges beaucoup le franglish. C'est comme ça qu'on appelle ça. On appelle ça le camfranglais. Le camfranglais. Moi, j'appelle ça le franglish. Voilà, c'est comme ça. Comme les anciens. En tout cas, alors ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui est venu naturellement? Est-ce que tu as toujours fait ça dès le départ? Parce que j'ai vu que tu rappais beaucoup au départ. Hein, Je l'ai vu dans un comment il s'appelle, avec Jackie, là. Il a lancé un freestyle. C'était chaud. C'était chaud. Ben on va dire, comme je te disais au départ, c'est surtout le fait que j'ai fait mes classes dans le rap français. Donc, automatiquement, j'ai gardé cet ADN-là. Maintenant, après, j'ai le côté afro, en fait, était déjà en moi. Sauf que à l'époque, quand je faisais mes classes, je ne l'avais pas exploité. C'est en 2016 que... Donc, du coup, ça sortait naturellement. Tout ce qui est... Quand tu parles avec un ami, tu dis « Gango », c'est des expressions qui sont naturellement en moi. J'ai grandi avec ça au Cameroun. J'ai grandi avec ça. Donc, naturellement, c'était plus facile pour moi de mélanger ce côté-là. Avec, c'était pas un effort particulier, on va dire. Tu vois, c'était des gens à moi. J'ai juste, à un moment donné, testé. J'ai aimé et j'ai trouvé que ça me ressemblait, en fait. Okay. Donc, parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais du rap français et que tu rappes bien, c'est bien beau. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'il faut que ton rap français soit aligné avec ton rap, même en général, soit aligné avec ta personnalité. Tout à fait. Donc, si ta personnalité et ce que tu chantes ne colle pas, c'est, je trouve, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est compliqué pour qu'on te croie. Donc, moi, j'avais ce souci-là d'être vraiment en phase avec ce que je chante et ce qui est si fort, quoi. C'est ça, Lionel. Voilà. Alors, Claudie, si fort, il a dit tout à l'heure que tu l'avais reçu dans ton émission. Ouais. Alors, c'était en quelle année, ça? C'était en 2000, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2017. Alors en 2017, là aujourd'hui, tu le revois dans Rapside. Est-ce que pour toi, il a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre le Cifor de 2017-2018 et le Cifor d'aujourd'hui? C'est une question qui est extrêmement pertinente et qui pourrait presque être gênante si ce n'était pas lui. Alors je vais m'expliquer parce que tu sais, pour nous, dans Couleur Tropicale, c'est très important de recevoir des artistes et on a la prétention de recevoir des artistes qui sont sincères dans leur démarche. C'est ce qui me semble, pour moi, la base même d'un artiste, c'est d'être sincère. Et certains sont plus sincères que d'autres. Et tu vois bien qu'ils sont sur un chemin où ils cherchent. Oui. Ils cherchent, mais ce qu'ils t'offrent déjà est tellement personnel, c'est tellement un univers qui leur appartient, que tu te dis, ah ouais, j'ai vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Donc on avait fait découvrir l'album, on avait fait medley de l'album, enfin tout ça. Et là, je le retrouve là, et je le retrouve beaucoup plus... assis dans ce qu'il fait et dans ce qu'il a décidé de faire. Et l'évolution, elle est là en réalité. Ouais, c'est ça. Et parce que chaque artiste, lorsqu'il crée une chanson, il a envie que cette chanson-là soit partagée par le plus grand nombre. L'idée, c'est pas de se travestir, c'est pas de se tricher, c'est pas de tricher, mais c'est d'être sincère avec lui-même et donc avec le public. Le public ne s'y trompe pas. Hein. Non, et je dis toujours aux artistes, si vous voulez, si vous ne savez pas pourquoi vous faites de la musique, écoutez la dernière interview d'un grand monsieur qui s'appelle Adjaro. Et Al Jarreau explique dans sa dernière grande interview, un documentaire qui lui était consacré, il explique pourquoi il a fait de la musique. En quelques mots simples, je t'assure, c'est où tu continues ou tu t'arrêtes. D'accord. Si t'es artiste. Je vais te titiller un petit peu, Claudie. Alors, il y a deux questions. Est-ce que déjà tous les artistes que tu invites, est-ce que ce sont des artistes que tu invites parce qu'ils sont sur le devant de la scène, parce qu'ils sont dans l'actualité à ce moment-là, ou est-ce que ce sont des artistes que tu as écoutés et que tu aimes? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des artistes que tu as interviewés à l'idée, tu étais enthousiaste et qui t'ont vraiment déçu? Tu t'es dit putain... Non. Non, non, parfois on peut avoir des moments de dialogue ou dans l'émission où c'est moins fort qu'avec d'autres. Mais qu'importe, parce que chaque artiste est unique et on ne demande pas à un artiste de venir en interview et de faire le show à chaque fois. On a envie qu'il donne ce qu'il a envie de donner, peut donner. Et après, le public juge. Donc non, moi, je n'ai jamais de déception à ce niveau-là. Maintenant, qui recevons-nous dans Couleur Tropicale? On reçoit à la fois ceux qui font l'actualité, mais qui nous conviennent quand même. Et puis, on reçoit des gens qu'on découvre.
et qu'on aime bien, et parce qu'on estime que ces artistes-là méritent d'être entendus par un plus grand nombre, eh bien on reçoit et on fait l'émission. D'accord, c'est un peu comme ici, quoi, ouais. Découvrir des artistes. Mais ouais, parce qu'en réalité, notre talent, nous qui présentons, qui sommes des animateurs, présentateurs, journalistes ou autres, notre talent doit résulter dans le fait de mettre en valeur les personnes que nous recevons. C'est ça, notre talent. Le reste, c'est de la philosophie. Après, on peut dire, ouais, je suis une super intervieweuse, je suis un super intervieweur. Ça, on s'en fout. L'important, c'est que l'artiste, en sortant, se dise, ah, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir d'être là et il a compris ce que je faisais. C'est vrai. Plus que la forme. Ouais. Exactement. Alors nous ici, effectivement, on découvre des artistes et on essaye évidemment de faire aussi le crossover entre donc, la France et puis l'Afrique. Et justement, donc THB, tu es toujours avec nous ? Ouais, je suis là. Ok. Alors, est-ce que toi, tu peux nous donner un petit peu quelques éléments de ton parcours, en fait, comment tu commences, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique, enfin, nous parler un petit peu de toi et nous dire comment t'en es arrivé là, comment t'en es arrivé dans Rapside. Ouais. Moi, déjà, à la base, j'ai commencé la musique en 2013. Ouais. J'ai commencé la musique en 2013, mais c'était pas si sérieux que ça, pas si professionnel, je dirais. Ok. Après, c'est en 2017 que ça a commencé à évoluer. Et j'ai signé dans un label, 87 Industries, et puis voilà, on a commencé à faire les bails, jusqu'à ce que je me retrouve dans Rapside aujourd'hui. Ce qui m'a poussé à faire la musique, parce que je trouvais que c'était la musique pour moi, c'est comme une arme. C'est ma façon à moi de m'exprimer, de dire... ce qu'on peut dire bas, moi je lui dis haut, quoi. C'est ça. Alors dis-moi, comment ça se passe là-bas en Afrique? Est-ce que c'est facile de faire de la musique? Est-ce que c'est vous êtes beaucoup diffusé? Est-ce que vous avez des médias qui vous aident? Est-ce que c'est facile pour vous là-bas de pouvoir s'exprimer à travers la musique? Non, c'est pas du tout facile. On se bat comme un peu. Rien n'est facile ici. Même le studio, l'enregistrement, c'est pas facile. Encore réaliser un clip, assurer la promotion, du surcroît, là où nous on se trouve au Congo, il n'y a pas vraiment de producteurs. Donc, on fait l'autoproduction avec les moyens qu'on a et ce n'est pas vraiment facile. Voilà. C'est comme le son qui a été diffusé ici sur Rapside. Je viens à peine de finir le tournage. Donc, je pense que d'ici peu, le clip sera déjà diffusé. Et bien sûr, tu nous réserves l'exclusivité. Hein? Tu nous réserves l'exclusivité, évidemment, du clip. On sera les premiers à le diffuser, bien sûr. Ouais. t'as pas l'air très convaincu. Hein. Je crois qu'il y a un décalage. En tout cas, c'est pas... tout à l'heure, on va réécouter donc, ton son hein, que tu nous avais envoyé, que j'avais sélectionné. Donc voilà, on va l'écouter tout à l'heure. Ce sera la sélection de la semaine. En tout cas, c'est un très bon morceau. En tout cas, moi, je me suis tuée à ce morceau-là. Mais en attendant, donc déjà, on est toujours en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch, évidemment, sur C-Direct. Alors, on va dire bonjour à nos auditeurs. Exactement, on a des petits messages un petit peu. Du coup, on a Umoja 14. Salut, Umoja. On a Kaiser Souzé. Qui dit Lou. Aussi, donc on vous dit bonjour et on a eu des petits commentaires sur le live. On a vu des flammes, le feu, très belle passation. Apparemment, on aime bien la chanson. Oh, mais c'est gentil, ça fait plaisir. Donc vous savez, dans Rapside, on essaie vraiment de couvrir tout ce qui concerne la culture urbaine. Bien sûr, on fait découvrir des artistes, mais on fait aussi des flashbacks. Tout à l'heure, Lolo va nous parler d'une personnalité qui a marqué en tout cas le milieu urbain. À travers le blind test de la femme papale, on va retourner dans les basiques, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, il y avait des gens avant vous. Hein, avant l'autotune, avant les réseaux sociaux, il y avait des gens qui étaient là, qui allaient à Clignancourt vendre leurs CD. C'était pas comme aujourd'hui, là, on n'avait pas accès à tout ça. Donc, il y avait des gens qui ont fait ça, qui malheureusement, moi, je trouve, je regrette vraiment qu'ils soient plus acteurs aujourd'hui. Alors ça aussi, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas aussi fait des choses derrière, mais c'est dommage qu'on les mette plus autant en avant parce qu'ils ont quand même joué un rôle important. Et puis, après, on va aller un petit peu faire le crossover entre la variété française et le rap. Hein. Mais avant ça, on va se diriger vers toi, Belisa, qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est mode urbaine. Exactement. Alors, tu nous expliques ta rubrique. C'est ça. Ça consiste en quoi? Alors, ma rubrique, du coup, je vous explique à tous les deux. Je réexplique aux personnes qui nous suivent, du coup, sur le live, sur ces directs et également, du coup, sur RM. Donc, moi, en fait, je fais la mode et je repars un petit peu au basique. Donc, je prends des pièces phares, ce qui se fait, des accessoires, pièces ou autres comme ça. Et du coup, je reviens du coup à la création, l'histoire et comment
cette pièce a rencontré le hip-hop. Et voilà. Allez, jingle. Oh. Ok. Ah. Ah. Oh. Ok, dis-nous tout. Alors, aujourd'hui, du coup, c'est un vêtement. Donc, comme d'habitude, vous savez, j'ai un petit indice. Donc, c'est une petite chanson. C'est un groupe, je pense, que vous connaissez tous, donc des années 90. Et c'est une pièce qui portait. Donc, voilà. On voit le son. DJRD, exactement. On balance le son, DJRD. Alors, on va voir. Ça. Une salopette. Baggy. Yeah, yeah. Attends, okay. Bon, c'était pas très loin, ça va, t'as tenté. Tiens. C'est rapide. Mais non, c'est pas ça, mais tout le monde portait des baguilles à l'époque. Je suis d'accord, et c'est pour ça que c'est plus des salopettes. Ah, mais oui, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai dit le baguille, il y a une logique dans tout ça. D'accord. C'est pas forcément que eux qui le portaient. On va casser ta rubrique. Ouais, vraiment, vous me sabotez dès le départ. C'est quelle affaire, ça. Vraiment, c'est pas bon. Hein. Non, je vais vous expliquer pourquoi, du coup. On va y revenir un petit peu, mais est-ce que déjà vous avez une idée de comment cette mode de baggy est apparue Toi tu sais, non? Ouais. Moi en tout cas, comment ça apparaît chez nous, c'est qu'on n'avait pas trop d'argent. Donc on prenait les jeans de nos grands frères et ça faisait des baggy. Moi je pense ça. Oui, mais non, vas-y. Non, j'ai reçu une bonne éducation. Non. Je pensais à un vêtement ouvrier de travail. Non, ça, ce serait plus pour la salopette, hein, parce que le baggy. Non, c'est tout simplement parce que c'est à la fin de la guerre, les surplus de tissus américains. Donc, comme il y avait beaucoup de tissus, on dit, on va faire des crampons. Non, tout ça, c'est trop compliqué. Je m'en fous, Non, c'est pas. Non, vraiment. Là, c'était jusqu'à la guerre. Non, là, c'était compliqué. Toi, t'as une idée? Non, mais en fait, je pensais pareil au coup. Non, pas du tout. Eh ben non. Mais c'est beaucoup plus récent que ça, les gars, et c'est même pas aussi compliqué que ça. En fait, ça vient des ex-détenus. Donc, comme vous le savez, aux États-Unis, en fait, quand on va en prison, on vous donne des habits. Mais et des fois, c'est trop grand. Écoute, qu'est-ce que vous dites, comme vous le savez. On a regardé des reportages. Vous savez forcément. On a regardé tous des reportages, c'est ça que je veux dire. On n'est pas tous à en prison. Maintenant que tu le dis, ça c'est bien. Et en fait, c'était quand ils sortaient de prison, ils voulaient montrer qu'en fait, ils faisaient toujours partie, qu'ils étaient allés en prison, que c'était des gangsters. Et ils ont commencé à acheter des habits XXL. Et voilà, comment la mode est apparu, du coup, comme on le sait, généralement, comme on le sait, c'est ça? Non, c'est pas ça! J'ai une idée qui m'a traversé l'esprit. Mais sur les pantalons qui, où tu le mets au ras du caleçon, et j'ai eu une idée. Enfin, pour ceux qui sont allés en prison, c'est peut-être aussi la même mode. Il y avait une rumeur, mais tu sais, mais c'est trop. Mais c'est marrant qu'ils le disent parce qu'il y a une rumeur de c'est pas con ce que je dis. Il y avait une rumeur en rapport avec mais ça. Mais oui, que c'est pour ça que c'est... Non, mais c'est pas con ce que je dis. Un appel de phare. Mais exactement, c'est pas con ce que je dis. Non, c'est pas con. Et du coup, c'est pas ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça apparaît dans les années 90. Mm-hmm. Les rappeurs ont repris parce que généralement, le hip-hop, le streetwear, ça vient de la rue, exactement. Ça a été repris. Et pourquoi j'ai pris Chris Cross, c'est parce qu'eux, ils avaient un truc particulier, c'est qu'ils mettaient les habits à l'envers. C'est pour ça, exactement. Et ils mettaient souvent des jerseys, peut-être de baseball, à l'envers avec les boutons dans le dos. Mm-hmm. Et pareil, vous avez déjà suivi, par exemple, le groupe de danseurs Les Twins, à une période, ils le faisaient eux aussi, ils mettaient leurs jeans à l'envers. Donc voilà. Oui, et il y a beaucoup d'enfants qui se sont fait frapper à cause de ça, parce qu'ils sortaient avec les vêtements à l'envers. Justement, c'est une manière de se venger des parents. Regardez, maintenant je le fais. Et je gagne de l'argent et on me paye pour le faire. Exactement. Et du coup, DJRD, si je pourrais avoir la petite image avec Chris Cross et à côté Alia, j'ai pris également du coup l'exemple d'Alia, qui est super intéressant. Donc en 1996, elle fait une collaboration avec Tommy Hilfiger. Et le truc super, qui est super drôle, c'est qu'à l'époque, Tommy Hilfiger n'a pas de collection pour femmes. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, moi j'aime trop la marque, je veux quand même collaborer avec vous, donnez-moi des vêtements. Et en fait, elle recrée un style, elle prend un top d'homme qu'elle fait un bandeau, elle prend un caleçon et un jean trop grand, et en fait elle lance une mode. Exactement. C'est ce qu'on appelait le pocket down. Exactement. Et elle lance, en gros, c'est l'inspiration des coups de collection femme chez Tommy Hilfiger. Donc on lui doit ça. Exactement. Et si on regarde parmi le temps, du coup, le baggy s'est quand même beaucoup instauré dans les années 90, début des années 2000, exactement.
Et il y a une petite, un petit passage à vide. Donc, je ne sais pas, période tectonique, slim, ouais. Bon, les gens ont un peu oublié les baguilles, mais bon, heureusement, on voit beaucoup qu'en 2020, enfin, plus de 2015-2020, il y a une mode de vintage qui revient, surtout qui revient, années 90. Et si on peut voir la petite image, du coup, avec Teyana Taylor bah, en 2020, on voit que bah, le baggy, du coup, fait partie. Non, c'est la, celle d'après. On ouais, voit bon, que le baggy, du coup, est toujours à la mode. Et puis, si on voit, c'est le même style un petit peu qu'Alia avait, avait lancé, ouais, tu vois. Le crop top ouais, avec le caleçon qui ressort du baggy. Et donc, bah, voilà, c'était ok, un petit peu, là, bah, merci bah, pour ce retour en arrière du baggy. On dormira moins bête ce soir. J'essaie de dire ça, je rentrerai en apprenant quelque chose. Ah, bah, je suis ravie. Alors, si vous avez appris des choses, je suis ravie. La prochaine fois. Oui. Creuse l'histoire des. Tu vois, des creuse. En plus, il dit creuse. Jeu de mots, ouais, sans voilà, jeu de mots malencontreux. J'essaierai de faire une petite investigation par la des exemples. Oh leur demander ce qu'il là, s'est passé. Là, tu ne relèves pas, Stélina. Là, tu ne relèves pas. Non, non, je ne relève pas. Je ne relève pas. Bon. En tout cas, toi, tu portais des baguilles. Ouais, je portais des baguilles. Claudicia en baguilles, j'adorais voir ça quand même. À l'époque. Avec la démarche. Avec la démarche. Avec la démarche. Ouais, je viens quoi. Non, j'ai pas porté les baguilles. Non, non. Ah ouais, mais moi, parce que c'est chiant les baguilles, c'est trop grand. C'est non, c'est vrai, j'ai pas porté. Mais tout simplement parce que moi, lorsque j'étais ado, la mode c'était les jeans 501 hein, venaient de sortir. Ouais. Et c'était les mocassins indiens, les Stan Smith. Non, Stan Smith c'était un petit peu avant, c'était maigre. Ouais, exactement. Ouais, donc on était plutôt, ouais, ça arrive un peu après, mais c'était ça. Nous, c'était plutôt moi, ça, le 501 venait de sortir. Tu vois, ouais, vous vous rappelez des Dickies, c'était trop bien, ça, non, c'était frais. C'est vrai que nous, c'est plus génération Jay-Z, Rockefeller. Ouais. Donc naturellement, le baggy était à mode, le coup du baggy, le jersey avec la casquette et la dragon, c'est un classique. Et puis on affiliait souvent le baggy au bandit, hein. Faut dire les choses aussi. Hein. Ouais, quand tu portais un baggy... D'un côté, ça vient d'eux. Le trois-quarts, le Costa La Caira. Le quoi? Le trois-quarts, le Costa La Caira. Ok. C'est clair de l'expression directe. C'est vrai, exactement. C'est ça. Oh, c'est ça. Bien joué. Et ben voilà, on est toujours en direct sur IRM Radio, en live sur Twitch, évidemment, sur CDirect. THB, t'es toujours avec nous? Yeah. En tout cas, on est là. Alors toi, le baggy, c'était comment? Toi, t'as même pas connu, t'es un bébé, toi, t'as pas connu le baggy. Ouais, j'ai même pas connu, en fait. Non, c'est vrai, ça date maintenant. En tout cas, on a hâte d'écouter ton morceau tout à l'heure. T'inquiète pas, tu restes avec nous. On est là toujours avec Sifor. Et moi, je dis qu'avant qu'on se lance dans le blind test de la femme papale, pourquoi pas se refaire un petit morceau de Sifor? Hein? Un petit... On se remet un peu dans l'ambiance. Moi, j'ai envie d'en... Attendez. J'ai envie d'entendre quelque chose, on est quand même dans Rapside, certes c'est le mois de la fête, on est là, afro et tout. Il a quand même dit tout à l'heure qu'il était rappeur. Moi je veux un petit couplet là, petit freestyle, un petit freestyle là, direct. Ok, Mola, tu sais que je suis inspiré. Depuis que je buzz, la concu ne peut respirer. Arriver à 4, partir avec 4 meufs, normal, nous être mignons garçons comme 4 cusses. Ah, en tout cas, pardon, bravo. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous balancer comme morceau là maintenant? Là maintenant? Ouais. Je vais te balancer un titre qui s'appelle, enfin qui me tient à cœur, c'est le décret 1. Pourquoi le décret 1? Parce qu'en fait, le décret ministère d'une joka, décret ministériel. En fait. Toi, tu vas aller à la présidence, toi. Non, hein, j'en sais rien. Faut dire, hein. Voilà, la présidence de l'ambiance. Si notre gouvernement pouvait caser un ministère pour s'en lancer. Non, c'est que le pays est fini, là, avec les bières, avec. Non, c'est fini, toi non, aussi. Non, pourquoi je parle de ce décret? Parce que pour moi, c'est lui qui drive toute la suite. Parce que il représente ce que moi j'appelle le rap afro à ma façon. Okay. Et il m'a permis d'arriver jusqu'à 20 minutes, qui pour moi est un peu la consécration de ces décrets-là. Parce que j'ai commencé ces décrets en rap freestyle et je suis passé de la performance à m'adresser aux gens. Donc, donc à la gente féminine, parce que moi j'adore ça. et donc je profite aussi pour cet instant, en cet instant de dire que restez connectés sur mes réseaux sociaux parce que la suite arrive bientôt. Sinon, la semaine prochaine. En tout cas, on est là, on est connectés, on va voir ça. Et retenez un seul mot de tout ça. Afrobeat, hip-hop, afro-swing. 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 Ok, on a retenu. On est international. Alors, c'est parti. DJ RG, balance-nous le son. Check.
Le feu c'est le feu. Ouh. Toi-même tu sais que le feu c'est le feu. C'est ça, hein, hein. Le feu c'est le feu. Dans Rapside, le feu c'est le feu. Aïe 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 aïe. Ils vont confirmer. J'ai dit que tu vas confirmer. Ce soir on va confirmer. Ah ouais. J'ai dit que tu vas. Mola, tu sais que je suis inspiré. Depuis que je buzz, la concu ne peut respirer. Arriver à 4, partir avec 4 meufs. Normal, ou être mignon, garçon comme. Tu t'attendais à quoi? Au bosso est dans la maison. Noir comme charbon, fais le sale avec raison. C'est ça le thème, le ministre décret numéro 1. Venez ramasser tous vos déchets, on fait ce qu'on a à faire. On restera pas sur cette parole. On touche ton esprit comme la gifle de la daronne. Aya repris pom pom, je prends boum boum de Django. Histoire de rappeler qu'au mic on les goum goum. Et c'est légitime, je suis ta mère gros. Dans le building, l'industrie avec Amerco. Ils vont confirmer. Ce soir, on va confirmer. On va confirmer. Sur Upside, on va confirmer. Il y a un truc qui vous attend là. Faut pas paniquer, mais les tailles de bois c'était planifié. Faire confiance à l'humain, non c'est pas l'idée. Va te faire arnaquer, ouais comme un Hallyday. Le joker c'est propagé. Tu suis la lune, ouais c'est contagieux. T'écoutes pas si fort, t'es trop âgé. Donne-moi mon oseille, t'as trop plagé. Salam alaikum. Malaikum salam. Ça dit salam alaikum. Malaikum salam. J'ai dit salam alaikum. Malaikum salam. T'as dit salam alaikum. Ok. Malaikum salam. Mola, là c'est Boubé, que des poupées, bonjour beauté. 3 mois qu'on se connaît et parle d'un bébé. J'ai dosé une fois l'infraction m'a ligoté. Mais comment te dire que j'y crois pas? Tu fais un airball et t'as raté tes 3 pas. Ta poche que ce qui pète, tu crois qu'on te voit pas? On se connaît tous mais on prie qu'on ne se voit pas. Salam alaikum. Ok. Quoi? Malaikum salam. Salam alaikum. Ok. Malaikum salam. Salam alaikum. On dit quoi? Malaikum salam. Salam alaikum. On dit quoi? Malaikum salam. Je suis dans le club, I'm too good. Je la pupille et que des jeunes. C'est fort. Sur Snap, pas de fun. Tu dis je t'aime, t'es trop folle. C'est comme fort. Toi, ouais, j'attends l'octogone. T'es plus crédible comme un gilet jaune. Pas d'attaque, je parle à elle. Pas d'attache, pas de haine. Elle est chaude. Trop de flow. Trop de flow. Trop de petits. Je suis dans l'afro, je suis né de nouveau. Je crois qu'une major avait signé la pépite. T'as plus dosé. N'attends pas l'Indien pour attendre la pépite. Partir en gun, fini le clip. Fuck les clips. On a dit quoi? On a dit quoi? Salam alaikum, bébé. Malaikum salam. Salam alaikum. On dit quoi? Malaikum salam. Salam alaikum. On dit quoi? Malaikum salam. Salam alaikum. Ok. Malaikum salam. Salam alaikum dans Rapside. Salam alaikum. En tout cas. Ouais, la vibe est bonne dans Rapside. La vibe est bonne. Merci, Arène, merci. Franchement. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est lourd ça. Ouais, ouais, c'est sympa le titre. En fait, c'est on va dire qu'il est, il est dédicace à petit pays. Petit pays, c'est l'icône de chez nous, Makossa, comment dire, défenseur des femmes, Rabarabi. Voilà, donc en gros, ce titre a été inspiré d'un truc qu'il avait chanté, Assalam alaikum, malaikum salam. Oui, c'est ça. Et donc du coup, j'avais repris, j'avais cette boucle là dans la tête. Et le morceau est né en fait grâce à un pote DJ à moi qui en fait a mis un morceau trap sur de l'afro rythmé comme ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc en m'inspirant de ça parce que j'avais l'idée depuis plusieurs années, mais je ne savais pas comment l'amener. Donc voilà. C'est cool. C'est cool, hein. Toi, Claudie, qui a rencontré de grands artistes comme Manu Dibango, tout ça, quand tu entends comme ça des jeunes faire référence à des artistes comme Petit Pays, ça, qu'est-ce que ça te fait comme sensation? Mais non, tu disais tout à l'heure, ne pensez pas qu'il n'y avait personne avant vous. C'est ça. Et beaucoup de jeunes pensent que ça y est, quels que soient les domaines d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Non, poussez-vous, on va vous montrer, vous n'avez pas su faire. En gros, c'est ça. Et c'est bien de rendre hommage à Petit Pays, c'est la famille, c'est vraiment quelqu'un qu'on aime beaucoup. Alors, évidemment, il a tellement de surnoms, il y a aussi l'avocat défenseur des femmes. Mm-hmm. Donc vous auriez beaucoup apprécié aussi, exactement. Et donc moi, je pense que c'est bien parce que il y a un problème chez nous, parfois. On est dans l'immédiateté. Je parle de nous, dans les cultures afro. Mm-hmm. On est dans l'immédiateté. C'est-à-dire que c'est maintenant. Ce qui compte, c'est le présent. C'est on oublie ce qui a été fait avant. On oublie que ce qui a été fait avant explique le présent. Et si jamais on n'est pas chargé, dans le bon sens du terme, de tout ça, on ne peut pas aller de l'avant.
Donc c'est bien de savoir dire. On vient, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. Exactement. C'est ça. Et puis pour moi, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et surtout aujourd'hui en termes de musique pop. Aujourd'hui, on voit bien, par exemple, lorsqu'on écoute des sons des années, même des années 80, fin des années 70, des trucs un peu disco funk. Regarde, lorsque Daft Punk va chercher Nile Rodgers pour faire son titre. Forcément, en termes de rythmique, on est toujours sur les mêmes trucs. Lorsque, par exemple, on écoute aujourd'hui ce qu'on appelle l'urbain, ce qu'on appelle ça afrobeat, en réalité, il y a toute une rythmique qui est une rythmique très zouk, bien sûr, dans ce qui est fait, avec un mélange de dancehall, et même les Jamaïcains sont inspirés également de rythmique zouk. Donc, comme tu le disais, on est là, on transforme, on continue à faire évoluer, et on fait évoluer. Et bien, c'est ça, voilà, on fait évoluer, et c'est justement... dans l'évolution, en tout cas en arrière, qu'on va repartir avec toi, la femme papale. Alors, on va faire un petit check-up sur nos auditeurs, hein, parce qu'ici, on ne les oublie pas. Yes. Ils sont là. Alors, qui a aimé la casquette de Claudie? Qui a aimé les lunettes de Sifort? Hein, c'est comment ce soir? Ils ont plus rigolé à la blague de Claudie par rapport à cette histoire de guérison. voilà. Ça arrive un peu plus par rapport à ça. Donc, il a lancé une vraie rumeur. Mais... en tout cas, donc, hashtag, voilà. Oui. Donc, alors, on va se faire le blind test, hein, d'accord, avec la femme papale. Et puis après, on s'écoutera la sélection de la semaine, donc avec THB, dont on va écouter le morceau. Et puis après, on se fera la fierté des nôtres avec Lolo. Et puis, on finira avec le fit ou pas fit d'Éléonore. Attention, c'est un grand moment, ça, ici, le fit ou pas fit. Mais pour l'instant, je te donne la parole, la femme papale. Ça va. Ah, on a dit que... Ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Oh là là. Ce refrain qui t'entraîne, réveillons-toi le tourbillon d'un monde de folie. Début de soirée. Et tu chantes, chantes, chantes. Début de soirée. Ah mais c'est que le ticket. Ah bon d'accord. Mais je suis parti moi. C'est le ticket. Ah je suis chaud patate moi. Je suis chaud bouillon. Juste au bout de la nuit, réveillons-toi le tourbillon d'un monde de folie. Eh ben tu l'avais, mais ça fait pas partie du blind test. Alors la femme papale. Cinq vieilles. Vous êtes des vieilles, mesdames. Ouais, grave. Vous êtes des vieilles. Et on kiffe à fond. La femme papale. Est-ce que c'est la go du pape? Bah, pardon. Non, j'ai rien dit. Mais c'est possible, hein. La go du pape, pourquoi pas, j'assume. Ouais. À une non, époque, la femme papale, c'est époque, juste parce qu'elle n'est pas pâle, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ah, comme l'homme pâle. Ah oui, l'homme pâle, la femme papale. Ah, ok. D'accord. Aux Antilles, enfin, oui, Guadeloupe, Martinique, il y a l'homme paille aussi. L'homme paille. Oui, il y a l'homme paille. J'aimerais bien le rencontrer. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, on va à la rencontre de ta chronique. Alors, vous l'avez bien mise en situation, ma chronique. Donc, c'est une chronique qui vise à faire le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Parce que dans Rapside, on vous spamme mais dans les orties. Je vous explique. Oui, le rap, c'est bien maintenant, c'était aussi bien avant. Oui. D'accord. Donc, le jeu, il est simple. C'est un blind test où vous allez devoir donner le nom des artistes. Oui. Soit le nom, soit le titre. D'accord. Celui qui trouve... à un point. Et donne le buzz, hein, c'est la copine. Donne. Voilà. Attends, j'essaye. C'est quoi ça? Alors, déjà, on verra. Didier Argy nous a préparé un tas de petites choses. C'est super. Okay, voilà. Ça fonctionne. Il joue tout seul. Attends, le mien ne fonctionne pas. C'est bon. Je pense qu'il y a un petit décalage entre le buzzer. Claudie, tu dois être habitué quand même de voix. Tu connais les buzzers quand même. Non, mais c'est simplement, et de temps en temps. À une époque, nous, dans Color Tropical, on faisait également des blind tests. On faisait jouer les équipes des émissions. Faut pas venir voler les idées ici. Non, hein. Nous faisions ça, vous n'étiez pas née, madame. Nous faisions ça il y a 15 ans, madame. Claudie, t'inquiète pas, ici, on ne jette pas mémé dans les orties. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, c'est parti pour le blind test. La go papale. Alors, les équipes, c'est qui? Voilà. Parce que alors, moi, je vais trancher, écoute. Hein. Oui, voilà. Alors. Toi, tu ne vas pas jouer. Non, moi, je ne joue pas. Okay. Moi, je fais l'équipe l'arbitre. L'équipe A, Claudie et Laura. D'accord. Et l'équipe B, toi, tu lui viens en renfort. Tu lui viens en renfort. Ouais, mais. Ah, peut-être c'est moi qui vais lui venir en renfort. Parce qu'il faut que les jeunes y jouent. Bon. Ouais, mais ça me... Et donc, Bélisa, elle est. Non, on joue tous les deux. Non, Non, si tu as la réponse, tu tapes. Non, pardon. Elle ne me fait pas perdre. Quoi? Toutes les façons. Je pensais qu'on allait faire un truc. Didier Argy. Guadeloupe contre Cameroun. On n'est pas arrivé. Il faut que tu lances la première chanson. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. C'est parti, Didier Argy, à toi. Un réaliste, un mépé comique quelque part, il y a ton nom. Et c'est
Mais non, Lionel D. Dynasty. Lionel D. Dynasty. Dynasty parce que bon, Lionel D l'a eu. Il a eu Lionel D. Alors il ne pouvait pas commencer ses blind tests sans faire un hommage post-mortem. Il nous a quittés. C'est passé un peu, c'est passé comme ça entre, sur les réseaux, à cause du corona. Voilà, bah ouais. Son décès, il est passé comme ça. Et nous, on a un peu commencé. Je pouvais pas commencer ce blind test sans faire un gros hommage à cet homme. On a un peu commencé ensemble les médias et tout ça. Donc, voilà. Depuis 1900, je sais plus combien. Aide-moi, s'il te plaît. C'était au siècle dernier. C'était au siècle dernier. C'était il y a un siècle. D'accord. Donc, la deuxième chanson d'Didier Hardy, s'il te plaît. Solar. Solar. Oh là là, c'est fort. J'ai même pas eu le temps d'entendre. Oh là là, attention. C'est tout. Attention. On s'écoute le son. Non, non, non. Récolte le tempo. Qui sème le vent, récolte le tempo. Et comment s'appelait son crew? Comment s'appelait son crew? Je sais plus maintenant. Non, non, non. À l'époque, à ses 500 One Posse. C'est ça. Ah ouais, punaise. Je l'avais pas. Demandez aux vieux. C'est ça. Alors, une petite histoire sur ce morceau. On passe à la deuxième, il connaît tout. Mon anti-sèche, elle sert à rien. Mais si, elle connaît. Claudie, je vais savoir là, je vais partir. Non, pardon. Moi, je peux dire quelque chose sur Solar. Cet album, les bandes, ils lui appartiennent. En fait, on peut écouter des sons de son album où il y avait Caroline, Bouge de là. Mais sur les plateformes, on ne trouvera jamais un son parce que les bandes, elles ne lui appartiennent pas. Il est rentré en conflit avec la maison de disques. Avec Polydor. Il a un peu la bise avec Polydor. On ne trouvera jamais les. Tu ne trouves pas Caroline et Bouge de là. Tu trouves pas sur n'importe quelle plateforme, tu trouves pas. Il est rentré en conflit en fait pendant des années et des années. Et puis et là, c'est un gros problème, même pour lui, c'est quelque chose qui le blesse encore aujourd'hui. Ouais, ce son, il est sorti en 90, il a été produit par Jimmy J. Ouais. Okay. La troisième. Non, pardon, j'allais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire sur Solar. C'est une des premières télés qu'il fait avec Bouge de là. Mm-hmm. Il est sur le plateau de Jacques Martin, qui était une star de la télévision. Et Jacques Martin le présente en disant « Vous aimez ça, vous ?» Moi, en tout cas, c'est pas ma tasse de thé. Le mec, il le reçoit sur le plateau pour dire ça. C'était la première fois que j'entendais Jacques Martin, un grand professionnel, dire du mal d'un artiste qu'il recevait. Comme ça, en direct. Voilà, genre, oh, ces jeunes-là venus des banlieues. Ouais. En gros, c'était ça. Comme quoi, il y a des gens qui pensent que le hip-hop, c'est un sous-art. Ouais. Mais à l'époque, sauf qu'ils n'imaginaient pas que ça, la musique la plus vendue en France. Incroyable. Et au monde. Au monde. On continue. La troisième, s'il vous plaît. Des paragraphes de ouf, tant qu'il tape. J'ai toute rage. Non. Remettez. Bon, ça va. C'est vrai. Représente for my people. Ça m'énerve. Parce que, effectivement, j'allais dire Lord Cogine, mais attends, sauf l'eau. En fait, un point. Cité tous les membres de son ma... On se rattrape. C'est pour ça que j'ai commencé. Attendez. Apparemment, le. Attendez. Ah voilà, c'était Busta. Mais t'en as eu un, lui, là, c'était tous les membres du Format People. Non, parce que moi, c'est pour eux. C'est pour eux. C'est moi l'arbitre. C'est pour eux. Alors, je te donne le point parce que tu les as cités un par un. C'est un collectif. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Respect. Didier Hardy, à toi pour la quatrième. Concentration, c'est pas grave. Concentration, cadeau. C'était un collectif, c'était Format People, il a eu, allez hop, c'est clair, pas de problème. Tu verras, je réussis, je serai celui qui prie et passive. On est contre le monde dans les quartiers, dans les cas déplantés, dans le corps de la santé. D'ici la cité qui brille, d'ici la réussite, on le monde dans les quartiers, dans le cas déplantés. Et c'est Laura qui a eu le point. Qu'est-ce qu'on a pu diffuser ça en radio? C'était trop bon. Mais toi, tu faisais pas de la radio à l'époque. Du coup, c'est Laura qui l'a eu direct. Le point, elle est sur A. Non, c'est pas Laura, c'est notre équipe. On a 3 points. Alors, dans l'équipe A, c'est Laura qui l'a eu en direct.
Mais je sais que c'est personnel, il y a qu'un qui sont ensemble. Tu veux qu'on dise combien? Mais tu veux qu'on dise combien? Ils sont ensemble. Après, tu les dis ici. Même pas mon Camerounais. Mais tout cas, hein. Tu veux qu'on dise combien? C'est quoi le problème? On dit qu'ils sont ensemble. Mais on est ensemble. La Gopale. Là, elle commence à devenir pâle. Vas-y, on va balancer la chanson suivante. C'est nous. Non, on a besoin de moi, c'est nous. C'est tout. Mais si. C'est tout. Alors, quelque chose à dire? Alors, je vous raconte une histoire sur le 113. Je vous raconte une histoire. Alors, Mafia Quinfri, alors c'est mon frère qui est l'éditeur des œuvres de la Mafia Quinfri, déjà. Qui est? Et puis, pardon, Eric Sciard. Ah, ok, d'accord. Et nous sommes 113. Vous savez pourquoi 113? Oui, 113. 113 rue Camille Groult, à Vitry-sur-Seine. C'est ça, à Vitry. Et au rez-de-chaussée du 113 rue Camille Groult habitait mon père. Et donc, nous, c'est pour ça que Moko, AP, Rimka, on les a vus grandir tout petits et c'est la famille. Hey, on est très liés. C'est dingue à Vitry parce que c'est vraiment un berceau du hip-hop. Hein, oui. Masta, oui. On parlait la semaine dernière de Sully B. Wax. Ils viennent tous de là-bas, en fait. C'est entre Stalingrad, le 19e et le 94, Vitry, grand berceau. À la prochaine chanson, on dit bien. Oh, vous avez trop les nerfs. Attendez, il faut que tu comprennes. Vous êtes trois contre nous. Oui, mais sinon elle est toute seule. Et attends, on a 4 points, vous n'avez que 3 points. Ouais, mais vous êtes fort. Je compte pour moitié, je t'ai pas né la moitié des titres. Non, attendez, vous savez quoi? Je suis le joker. Vous savez quoi? C'est le joker. Léa, tu joues avec nous, ok? C'est parti, 3 contre 3. Vous voulez truc? Allez Léa, c'est parti. C'est parti. On est là. Là, quand tu fais signe, je buzz. Si tu me dis, ok, parce qu'elle est en train de filmer. Là, le score, c'est 4-2. 4-2. 3-2. Non, 4-2. Pourquoi t'es 4-2? Elle veut nous faire perdre. 4-2. Il en reste une. Non, mais écoutez, eux, ils sont calés. Calés de chez Calais. Ici, ils sont calés. Oui, mais c'est calé. C'est pas de notre faute. Allez, on y va. La prochaine chanson. La vérité, c'est qu'on avait quand même gagné. On était à 4. Oui, mais on aurait pu perdre avec un peu plus de dignité. Non, 5-2. Je vous demande de vous taire. Incroyable. Curtis, il a dit que c'est l'équipe de Claudie qui a gagné. Donc, c'est l'équipe de Claudie. Oh là là. Curtis, c'est du sabotage. Hein. Non. C'est pas là, bon. Hein. Non, vraiment. Ton frère. Ton propre frère. C'est quoi? Mais il a vu la go. C'est ça en tout cas. Et ben voilà, ça rate pas. Hein. Tous les samedis, c'est pareil contre le Black Belt. On est toujours en direct sur IRM.radio, en live sur Twitch et évidemment sur ces directs. On est là avec Claudicia, avec Sifor, avec toutes les girls de la team Rapside, avec Curtis derrière, avec Annabelle, avec Léa. Elles sont là avec nous. Franchement, on s'éclate ce soir. C'est le feu, hein, on aime beaucoup. Hein. Dans ma Benz. Oui. Vas-y. En tout cas, THB, ça va? Ça va. J'espère que tu dors pas, hein. Faut pas dormir, hein. Non, je dors pas, je suis ready. Ok. You're ready. Bah écoute, tu sais quoi? Écoute, ça tombe bien, THB, parce que tu sais quoi? On va enchaîner tout de suite avec ton morceau, la sélection de la semaine que j'ai resélectionné parce que c'est la fin de l'année et que pour moi, c'est le morceau. Alors, je tenais en plus
Vraiment, et là je le dis parce que c'était un petit peu intéressé aussi, je tenais parce que je sais que évidemment Claudie est quelqu'un qui fait découvrir des talents, et vraiment ça c'est un morceau, c'est un jeune homme que je trouve qu'il a vraiment une vibe incroyable, c'est un garçon qui travaille énormément, et vraiment je lui ai promis, je lui ai dit que si un jour je pouvais lui donner un coup de pouce, alors c'est, ça n'engage en rien, mais en tout cas je suis contente que ce soit Claudicia, si fort, et que toutes les personnes qui sont là puissent écouter ce morceau que je kiffe mais à mort. Avec grand plaisir. Non, vraiment. Donc le morceau s'appelle Kitoko. Alors on a une tradition ici, c'est que comme ils ne peuvent pas être avec nous, tout le studio se lève pour danser sur la chanson qu'on écoute. Donc il s'appelle THB, il nous vient du Congo, et son morceau c'est Kitoko Congo Brazza. DJ, tu mets le son. Aïe. Ouh, ok. Aïe. Yo, 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 yo. T'es un du soldat doux. Ouh, écoutez la vibe. Ouh, ok. You can't kick son body. Oh, yeah. Si tu veux get my money. Les démons t'aiment ma bonnie. La coupe au théâtre, t'as battu à l'lobby. Bad boy, you are very sexy. Si ton bad boy, nous donne nos limites. Bad boy, you are very sexy. Si ton bad boy, nous donne nos limites. Je me sens mieux dans tes bras, comme les personnes qui font son souffle. Yo yo yo. Et te faire pas le repas pour avoir un bout de vie. Il a de la musicalité. Franchement. Ce qui m'intéresse même de savoir, c'est qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cette chanson? Bah, c'est une histoire vécue dans prose qui m'a inspiré en fait. D'accord. Et ça parle de quoi? Parce que nous, du coup, on comprend pas toutes les paroles. Ça parle de quoi? Ça parle de l'amour. Et le titre veut dire quoi? On kiffe grave sa go et tout, et puis il exprime ça dans la chanson, quoi.
Non, c'est une très il belle lui a dit chanson. C'est toi la Beyoncé, moi je suis Jay-Z. Ouais. C'est une très belle chanson. Le titre, il est bien. Il est bien, vraiment. Ouais. Alors, Kesh, voilà, je vais te demander de faire quelque chose, peut-être que, qui ne t'arrivera peut-être pas, ou je l'espère en tout cas, qui t'arrivera dans ta vie d'artiste. C'est bah, là, de prendre là, les quelques paroles que va te dire Claudicia. Et d'en faire ce que tu peux le mieux en faire. Parce que je pense que ce n'est pas donné à tout le monde au début de sa carrière comme ça, d'avoir un avis comme ça, d'une personne qui s'y connaît, qui connaît les artistes. Et je crois vraiment que tu devrais prendre ce moment avec beaucoup, beaucoup de, je sais pas, d'attention. Non pas qu'il va te dire ce que tu dois faire dans ta vie, pas du tout. Mais je pense que c'est quelque chose qui va te faire avancer. Merci de l'avoir précisé. Voilà. Parce que, non, mais c'est vrai. Moi, je pars du principe que je n'ai pas à dire à un artiste la façon dont il doit travailler. Il y a des gens en France qui appartiennent aux radios et qui font ça. Oui. Qui disent non, tu devrais faire comme ci, comme ça, tu devrais changer, tu devrais éditer ton titre de telle et telle façon. Moi, je trouve ça irrespectueux. L'artiste, il te livre ce qu'il a à faire et après, tu vois ce que tu en fais. Si tu aimes, tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Mais parfois, on peut ne pas aimer une chanson, mais comprendre ce que la chanson incarne, ce qu'elle représente. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu es dans ton univers, Brazzavillois, et que ta chanson, elle, à moi qui connais bien évidemment Brazzaville, elle correspond à toute la mouvance en ce moment, tout ce qui se passe au pays. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Et en écoutant tout à l'heure, je me disais, j'ai regardé Annabelle, j'ai fait un petit clin d'œil, et moi, j'aimerais bien diffuser ta chanson dans Couleur Tropicale. Ouais génial, voilà. Ça ouais. Et j'aime à dire aussi que voilà, nous, lorsqu'on diffuse une chanson, en plus des droits d'auteur et tout ça et tout, parce que c'est une grande radio RFI, comme il y a beaucoup d'argent, donc faut profiter. Tu vois, ça c'est une chose. Et tu parlais, donc c'est une histoire d'amour qui arrive à un de tes copains. Je suis ton Jay-Z, tu es ma Beyoncé. C'est bien que tu aies choisi ça. À une autre époque, des gens auraient dit, ouais, je suis ton Roméo, tu es ma Juliette. Sauf que dans l'histoire de Shakespeare, voilà. Roméo-Juliette, Roméo, il finalise jamais avec la meuf. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y arrive pas, donc il n'arrive pas à conclure avec la go. Donc c'est bien que tu sois le Jay-Z et qu'elle soit la Beyoncé. Tout ça pour dire que tu es vraiment dans ton époque. Et nous, on a aimé le son. Annabelle, Léa, oui ou non? Oui. Voilà, ah, c'est bon. C'est réglé. Génial. Alors, maintenant, je m'adresse à vous qui nous regardez, parce que je sais que vous êtes beaucoup à m'écrire, à m'envoyer vos morceaux. Voilà, comme quoi, vraiment ici, on a pour but vraiment de vous donner la force. C'est pas pour faire genre. On veut vraiment montrer déjà qu'il y a du talent à en revendre, mais vraiment, vraiment. Et nous, on a découvert, on connaissait pas de la musique béninoise, gabonaise. Vraiment, il y a du lourd. Et franchement, n'hésitez pas. Voilà, il vous suffit juste de m'envoyer vos morceaux et vous voyez. Et ben voilà ce qui peut arriver, c'est ça la musique, ça rassemble. Et franchement, c'est beau. Et ben c'est merci. Top. Et puisqu'on est au Congo, on n'a pas de frontières. Et c'est puis ça. Alors, je pense que il y a un des artistes qui en ce moment, depuis jeudi, est honoré par un prix découverte, puisque tu parlais de découverte justement, Stelina. Et cet artiste-là, il s'appelle Young Ace Waye. Il est congolais et de Brazza, donc, et il est lauréat du prix découverte RFI depuis jeudi. Voilà. Et ça, je pense que ça faisait 36 ans que le Congo, depuis Zao. Zao, ancien combattant. Un, deux, Marc Lepas, ancien combattant. Classique. D'accord, vous connaissez pas cette chanson? Si. D'accord. Vous connaissez quand même? Marc Lepas, ancien combattant. Voilà, il y a Moustique ou Corbillard. Ou alors Soulard. Soulard. Voilà, Soulard. Pas Soulard, hein? Tout le monde m'appelle Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Et donc, je pense que Young Ace Waye, c'est une belle locomotive pour toute cette musique congolaise, parce qu'à Brazza, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les artistes, compliqué d'avoir de la production, c'est compliqué d'avoir le bon studio, c'est compliqué surtout de faire entendre les chansons. Alors bravo pour ce que vous faites. Je vais dire quelque chose en plus, ce que vous dites, c'est que moi, sur ces directs, donc je m'occupais de faire le classement des meilleurs morceaux. Ouais. Et en fait, eh ben, Young S, je l'avais mis en premier. Yep, ah, yes, c'est ça. Donc tu vois, comme quoi, on se rejoint là-dessus. Voilà. Les esprits se rencontrent. Ouais. Et ben voilà. Et pour la petite anecdote, Claudie qui parle d'anciens combattants, dans mon projet, il y a une dédicace à cette musique-là. Ouais. Et ben voilà. Exactement. Et ben voilà, on est toujours sur IRM.radio, en live sur Twitch et évidemment sur ces directs. On est avec Cifor, on est avec Claudicia, on est avec THB en direct du Congo Brazza. Voilà, THB qui va avoir sa chanson dans Couleur Tropicale. C'est pas extraordinaire. Au fait, pourquoi THB? Pourquoi THB? Il est encore. Pourquoi THB? Allô? Pourquoi THB? Ouais, en fait, c'est mon nom complet que j'ai abrégé. D'accord. Ah, c'est bon. Non, c'est Théodore Henri Bernard.
Non, Théophile. Tu veux rester anonyme, on va laisser le nom de star, hein. On ne va pas dévoiler les dossiers ici. Hein. Nous, on connaît VHB. Voilà. En tout cas, on est toujours donc là ensemble dans Rapside. Est-ce que ça va toujours derrière? Vous êtes là ou pas? Ouais. Ouais. Voilà. DJ RG, ça va? DJ RG. Ah, il n'est plus là avec moi, DJ RG, il m'entend pas. Il est focus. Alors, moi, je pense qu'avant de se faire la fierté des nôtres, en plus, je pense que ça va t'intéresser. Petit, la fierté des nôtres. Je pense qu'on va se refaire un morceau de Si Fort. Ouais. Ou alors tu nous le gardes pour après. Qu'est-ce que tu veux? Tout me va, on y va. Let's go. Voilà. On let's va se remettre go, dans go. Le bain. Ouais. On va faire bang bang gang gang. Gang, gang. Gang. Si Fort est dans Rapside. Si Fort est dans Rapside. Si Fort est dans Rapside. Tiens, il y a un morceau qu'on peut mettre. Aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tiens, on va mettre. Est-ce que vous avez un jour sur 7 ici? Un jour sur 7. Nous, on n'a que ce qu'on nous a envoyé. Il faut demander au manager. Bon, ben, écoutez, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va se remettre. Je trouve que Motibana, oui, c'est bien. Ouais, c'est ok. Bien, j'aime bien on va Motibana. Se remettre Motibana. On va se le refaire. Et ensuite, on va se faire la fierté des nôtres. Et on finira avec le Fitou Papi Deléona. En tout cas, on est là. Je suis fort, je suis un battre. Afro hip hop, je suis sportif comme fil. Tu, tu, tu. Bigo, j'ai la victoire au bout du fil. Même si je te refroidis et te donne mon chinchil. T'as eu des gosses, mais tu gardes ton sexe à pile. Ma vie, une bande créative un peu. On va kicker toute l'année, oui, y'a pas de mi-temps. Tes textes sont trop de goût, ton RAP n'a pas de piment. Je suis frais dans son boule, pas ses sentiments. T'es la RDV à Orly, c'est palpitant. Oboso dans la maison, si ça kick, c'est moi. Déraper, c'est pas rapper, vite, je pisse pas chinois. J'ai du flow, un peu trop, il est illimité. Je sais pas ce que veut dire le son, demande à Olamide. Voilà sa voix jusqu'à demain qui peut nous imiter. J'ai le rythme dans la peau comme un Olamide. Et ça fait Motibana, celui qui te plaira plus que moi n'est pas là. Tu sais où aller si, si tu veux planer. Je suis ton dernier Doliprane, le seul qui peut calmer. Motibana, Sibate, on appelle ça le Makosa dans la salsa. Sibate, Siba, Oboso. Oboso dans la salsa, Si Fort, il est là. On continue. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, oh. C'est tout. Non, non, on est bon. Ah. Encore. Voilà, les filles vous amènent des placés comme ça là. Vraiment. En tout cas, c'est là. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Dis-moi, qu'est-ce qui veut dire quoi? Motibana. Mais en fait, non, en fait, c'est simple. Le titre, c'est un freestyle que j'avais fait. Et en fait, la prod, j'avais envie, quand je dis même un peu de Makosa dans la salsa, c'est parce que je trouvais qu'il avait un air de salsa. Et j'avais envie d'inclure ce côté Makosa là-dedans, parce que déjà de base, j'aimais le titre de Olamide en fait. Et en fait, c'est dans cette continuité-là que je serai même sur le deuxième projet. Parce que j'en ai parlé rapidement, mais j'en reparle encore. C'est que le style de Si Fort, c'est vraiment, quand je dis l'afrobeat hip-hop, hip-hop, quand je dis hip-hop, j'entends par là hip-hop, rap, R&B. C'est-à-dire tout l'ancien, je mélange un peu un côté old school, un peu. Hein. C'est vrai, c'est-à-dire je mets de la new school dans le old school. C'est-à-dire que tu vas prendre un peu tout ce qui était à l'époque de Puff, Mace, on parlait de Aya tout à l'heure. Je mélange ce style-là et j'essaye de le lier à l'afrobeat en fait. Et en fait, j'essaye de créer quelque chose de nouveau à travers plein d'anciens ingrédients. Et parce que quand on dit afrobeat, on pense à Fela Kuti, on pense à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'influence à travers ça. Et j'ai une question à vous poser. Tiens, Claudie, toi qui est-ce que tu sais ce que veut dire l'afro swing et pourquoi on l'appelle l'afro swing? Parce que c'est afro et que ça swing. Ça paraît tellement évident. Alors, quand j'ai étudié ce truc, parce que moi, je kiffe au-delà. Mais c'est toi l'afro swing. C'est moi l'afro swing. C'est ta définition. En fait, je vais vous expliquer. En fait, l'afro swing, c'est un peu de l'afro beat sur du hip hop. Et donc, sur la musique de l'afro swing, en fait, on enlève le quatrième kick de l'afro beat. Ah, ok. En fait, dans la musique, t'as le toum, 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 toum. Dans l'afro swing, on enlève un. Donc, du coup, ça fait toum, toum. Ouais, ça fait toum, toum. Toum, toum. Et donc du coup, tu pars sur de l'afrobeat et tu enlèves le, tu enlèves, ce sont des kicks afrobeat, mais quand tu enlèves le troisième, ça ramène à la rythmique hip-hop, mais sur des kicks afrobeat. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'afro. C'est toi qui en es le précurseur. Non, avant lui, il y avait New Jack Swing. En fait, je vais pas. On va dire que j'ai été parmi ceux qui ont commencé cette vibe, mais je pense qu'en France, je suis le premier à le faire, sans aucune prétention, aucune. Tu vois. Mais il y en a déjà qui le faisaient à Londres.
avec J-Hus, NSG, en that. So, voilà. Donc moi j'essaie de ramener ça et c'est ce que vous allez découvrir dans le prochain projet qui... Si Covid veut nous aider. En tout cas, avant que vous nous découvriez ça, c'est déjà dans Rapside. L'Afro Swing est là. Sylvoir est avec Et maintenant, voilà, c'est bien parce que ce soir, en fait, on fait vraiment de crossover entre les références anciennes, tout ça, tout ce qui nous a marqué. Et ça tombe bien puisque Mademoiselle Lolo, et on l'appelle Lolo, c'est de l'eau. Oh là là. Oui, j'ai bien compris. Elle se fait appeler Lolo, c'est de l'eau. Oui, oui. On ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, mais en tout cas, c'est de l'eau. Là, parce que Lola, c'est de l'eau. Lolo, c'est de l'eau. Donc Lolo, toi, tu as une rubrique qui s'appelle La fierté des nôtres. Et ben voilà, explique-nous. Alors la fierté des nôtres, pourquoi? Parce que comme vous le savez, moi pour moi le rap, c'est uniquement une discipline du hip-hop. C'est-à-dire à la base le hip-hop c'est du break, c'est de la danse, c'est du djing, c'est du C'est-à-dire c'est tout un truc, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 20 ou 30, du grave, du tag et tout. Et justement en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, moi d'où je viens, j'ai vu mes grands, mes anciens se battre pour imposer cette culture-là. Ça a été très difficile. Et nous qui suis, chacun parle de ses origines et tout, moi je suis ni de là-bas, ni d'ici, ni d'ailleurs, je suis de la street en fait. Et ça a été très dur de se trouver en fait des modèles. Et en fait, moi j'ai trouvé un modèle en une personne, une femme, pas parce que c'est une femme, hein. Elle s'appelle Juliette Fievé, tu dois la connaître, puisqu'elle a partagé avec toi. Plutôt en fait, que je la connais. Ouais. En fait, je veux parler d'elle parce que pour moi qui ai un peu baigné un peu dans le hip-hop, c'est-à-dire hormis la musique, hein, parce qu'il y a vraiment des choses qui se passent derrière, c'est-à-dire à l'époque, moi pour moi, Juliette, c'est l'héritière d'un grand protagoniste qui s'appelle Rod Lion, c'est-à-dire c'est lui qui a fait la... Tu as connu Rod Lion? J'ai entendu parler de lui. Kemar. Comment l'appeler dans un mec du 78 qui, grâce à lui, c'est les premiers qui ont commencé à investir des sous dans la musique urbaine. Pas urbaine, on appelait ça le underground à l'époque, expression directe, tout ça. C'est-à-dire les maisons de disques qui ne voulaient pas signer les artistes. Personne ne croyait au rap. C'est-à-dire lui, un mec comme Rad Lion, comme il y en a beaucoup derrière, comme les... comme on parlait de dynastie derrière, mais Rod Lion particulièrement. Et en fait, je pense qu'il lui a donné un héritage à Juliette et honnêtement, elle transmet. C'est-à-dire, je vais survoler un peu sa carrière. Désolée si elle regarde cette émission et que je survole sa carrière parce qu'elle a fait une super belle carrière. Mais moi, je ne vais pas parler de ça parce que tout le monde parle d'elle en parlant de sa carrière. Donc, manager, attaché de presse, journaliste, je survole simplement. Mais pour moi, c'est une warrior. Pas le fait que ce soit une femme, c'est le fait que pour elle, la culture urbaine, c'est une passion et elle a un devoir de transmission. Et elle transmet, c'est la seule personne, et je ne parle pas de femme parce qu'il y a des mecs qui auraient pu le faire, c'est la seule qui aujourd'hui a une émission qui s'appelle Légende urbaine, où elle donne la parole, elle met en lumière tous les gens qu'il y a dans la culture urbaine. Personne ne l'a fait avant elle. Il faut que ce soit une meuf. Elle a plus de couilles, excusez-moi les gars, que trois quarts des mecs dans le game. Et moi, je l'ai connue personnellement. J'ai eu de la chance de la rencontrer une fois avec le producteur à Safe You, Biak, Big Up, Bibi, qui, direct, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Viens et tout, t'as besoin d'un truc, tu me dis, prends mes contacts et tout. Et ça, dans le game, c'est extrêmement rare. Donc voilà, je suis un peu dans l'émotion parce que quand on est dans les coulisses, malheureusement, les gens ne sont pas bien attentionnés. Mais cette meuf-là, c'est une guerrière. Et puis aujourd'hui, elle a reçu un héritage de Rod Lion. Il peut être fier d'elle parce qu'elle a fait mieux que le taf. Et derrière, y a ses soldats qui sont là. Hein. On va reprendre le flambeau. Donc voilà, big up à elle. Beau portrait. Alors toi qui la connais si bien, Claudie, est-ce que tu l'as retrouvée dans ce portrait? Oui, parce que c'est vraiment une guerrière. Juliette, c'est la famille. Tout à l'heure, je parlais de mon frère. C'est lié à des gens comme, je pense, à Boris, où c'est la petite sœur. Donc, c'est toute l'époque Kemar, donc Rod Lion et tout Big ça. Bigrette, Stéphane, exactement. On parlait d'expression directe. Bien sûr. C'est tout ça, c'est toute la famille. Et puis... Mais elle est restée. Je pense qu'elle a gardé cet esprit. Oui, non. Et elle le transmet. Elle a toujours l'esprit. Et donc, moi, je la regardais un petit peu là évoluer. Puis un jour, elle me dit, j'aimerais bien faire de la radio.
Et comme vous le savez, cofondateur et copropriétaire de Tropic FM. Je lui ai dit, bah, viens, tu vas commencer. Donc, elle a appris à faire de la radio. Là, elle avait une chronique dans une émission. Sur Tropic FM. Okay. Non. Ouais, elle faisait juste une séquence hip-hop, justement, dans l'émission de Céline Guillaume, qui aujourd'hui aussi est avec moi en chroniqueuse sur RFI. Et après, je lui ai dit, bah, tu viens à RFI avec moi. Et donc, durant des années, ça a duré 10 ans. Donc, chroniqueuse. Mais au-delà de ça, au-delà du métier, merci d'avoir dit, on peut mettre de côté. Côté professionnel, c'est une vraie guerrière, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la galère, qui sait ce que c'est également que le summum, on a écouté le 113 tout à l'heure, petite référence, et c'est quelqu'un qui ne se laisse jamais abattre. Elle se bat pour la culture et pas pour elle. Et elle est, oui, mais qu'importe qu'on se batte, mais elle est vraiment quelqu'un qui aime le partage et qui aime les autres et qui aime cette culture-là, et elle ira jusqu'au bout. Ce n'est pas quelqu'un qui a embrasser cette musique-là par opportunisme. Mais elle est également une spécialiste de reggae, de dancehall. On est dans le même univers. Mais je pense que, si je peux me permettre, ouais. Parce que là, en fait, tout à l'heure, tu parlais de ça. Je pense que quand on est issu de quartiers populaires ou qu'on fréquente et tout, il n'y a pas ce côté africain. Même aux États-Unis, on parle de rap. Moi, je ne suis pas trop rap américain, excusez-moi. L'histoire de Juliette est différente. Mais oui, parce qu'elle vient de Normandie. Non, elle ne vient pas de Normandie. Non, elle vient du nord de Lille, parce qu'elle a commencé dans les salles, dans les festivals. Elle vient de Lille, puis elle est descendue à Paris, puis elle a rencontré tout ce truc. Oui, mais en fait, je pense que la culture urbaine, soit on la reçoit en héritage, ou soit on la rencontre. Ouais. Et je pense qu'elle l'a fait. Mais c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, tous les artistes des quartiers, un Passy qui rappait avec un Stomy dans le ministère Hammer, c'est des cultures. En fait, lui, il est congolais, l'autre, il est capverdien. Ça se rencontre, ça se match. Bien et aujourd'hui, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on a des Gims, plein de ça. Mmh. C'est qu'un mec comme dans Express D, il y a Rudy, c'est un entier. Bah, Rudy, à un moment, il rappe en. Rudy, comment son surnom? Woody. Vous dites comment? Je sais pas. Bon regard. Le nègre de la pègre. Non, mais bon regard. À cause de ses yeux. C'est ça. Je connais pas. Non, mais en tout cas, pour Juliette. On pourrait en parler toute la nuit. Ouais, mais juste dire que Juliette, c'est. Elle fait partie de ma famille, c'est ma petite sœur. Et on est liés à la vie et à la mort. Et dans nos vies privées, on se l'est déjà prouvé. Et on se le prouve chaque jour. Et on se l'est prouvé il y a quelques années. Et ça continue encore. Voilà, je voulais juste et ce soir, dire. Dans Rapside, on lui prouve que tout ce qu'elle fait, bah, c'est pas pour rien. Puisqu'on continue justement. On est là. Et vraiment, voilà. Merci pour elle. Je lui dirai. Je vais lui envoyer un message tout à l'heure. Et bien, avec grand plaisir. Alors, comment ça se passe? Vous êtes bien? C'est génial. T'es bien? Claudie, t'es bien? Oui, oui, moi je suis bien. Tu regrettes pas d'être venu? Non, je regrette pas d'être venu. THB, t'es toujours avec nous? Ouais, parce qu'on là, a gagné. Donc voilà. Alors, vous avez de la chance sur les derniers. Là. Non, on a gagné. Arrête ça. C'est fou. Hein. La chance, c'est pas les perdants, la chance. Tous les samedis, je fais cette émission et jamais. Chaque fois que je vois l'heure, je dis mais c'est pas possible. En plus, on a largement gagné. C'est pas comme si on avait gagné d'un point. Oui, bon, on va te largement gagné. On va te donner une casquette. Il n'y a pas de problème. On va te donner une casquette. On va te donner un préservatif. On va tout te donner. J'ai déjà préservatif. Alors, je ne sais pas, puisqu'il y a des préservatifs sur cette table. Mais. Alors, je regarde. Ah. Bon, bah oui. Mais je ne sais pas pourquoi on nous met des préservatifs c'est sur cette table. C'est pour sortir couvert, c'est corporel. C'est pour donner aux jeunes. C'est pour donner aux jeunes. Oui, c'est pour donner aux jeunes. Sensibiliser. Exactement. Pardon ? IRM vous protège. IRM vous protège. Eh ben dis donc. On est protégés. Bah non, c'est plutôt nous qui devons parce que. Enfin bon, bref, j'en parle. Mais c'est bien. Si fort, j'ai envie de savoir, toi, si tu avais un feat, le feat de ta vie, ce serait quoi ? Le feat de ma vie. Ouais. Le feat de ma vie, je chanterai avec Burna Boy. Ah, okay. Pourquoi Burna Boy? Parce que je trouve que Burna Boy est un des rares artistes de la génération à être, on va dire, deep, profond dans sa musique. Et qui arrive à, non seulement à faire des musiques, et là je parle en termes de thèmes, des thèmes qui parlent à, enfin, qui intéressent les jeunes, mais il est très engagé politiquement dans sa musique. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est quelque chose que j'aime et c'est quelque chose vers lequel j'aimerais aussi tendre, que ce soit par pas forcément de la musique. Je donne un exemple. Il y a eu ce scandale qui s'est passé avec Michel il y a quelques semaines. Tout à fait. Moi, c'est des trucs qui me touchent.
qui me touchent énormément et je pense que ça touche beaucoup. Et ce sont il fallait que j'aille à la marche, il fallait que je communique. Bah, le contraire serait anormal. Hein, mais bien sûr. Et je pense que pourquoi je parle de Burna, c'est parce qu'il a ce truc-là dans sa musique. Tu vois, il était sur la promo de son album, une petite anecdote qui moi, m'a beaucoup touché. Il y a eu ces catastrophes au Nigeria. Et il a arrêté sa promo pour faire un titre sur spécialement sur ça. Tu vois, quand il s'est passé ces trucs de xénophobie en Afrique du Sud, il a prouvé qu'il ne mettrait plus les pieds en Afrique du Sud tant que le gouvernement ne s'excusait pas. Et ne reprenait pas. Donc, il y a vraiment un vrai engagement derrière sa musique et je trouve que ça crée quelque chose de super complet. Voilà. Et la salle de ta vie ? La salle de ma vie ? Ouais, la salle de concert. La salle de concert de ma vie. Bercy. Bercy, pourquoi je ne parlerai pas de Stade de France ou quoi. Bercy, parce que nous, très jeunes, on a toutes nos stars, on les a vues à Bercy. Bon, à l'époque, moi, je suis quelqu'un... Moi, je suis de la génération... on va dire que j'ai connu le hip-hop dans la génération 90-2000. Voilà. Donc, et toutes les... Quand on allait en concert, c'était au Palais des Sports. Jay-Z, 50... qu'est-ce qu'on n'a pas vu à Bercy? On a vu énormément de concerts à Bercy. Je pensais qu'il allait dire la MJC. quand même. La salle de ma vie, c'est ça. C'est Bercy. Et s'il y a bien évidemment un concert que j'aimerais vraiment faire un concert à Bercy. Et bien évidemment un stade en Afrique. Ouais. Ça me toucherait énormément. Alors THB, je vais te poser la même question. Est-ce que toi, il y a un artiste avec qui tu rêverais de faire un feat? Ouais, justement, il y en a un. C'est en nigérien aussi, Davido. Ah, Davido. Voilà. Ouais, c'est Davido parce que j'aime beaucoup sa façon de faire. Et quand on le voit, quand il chante et tout, il transmet la joie en fait. C'est vrai que ses morceaux sont entraînants. On sent que le gars, c'est un fêtard et j'aime ça. Même quand il est sur scène, ce qui dégage vraiment, ce n'est que positif, quoi. Alors, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de courage, en tout cas, parce que j'en ai besoin. D'accord. Et plus de force. Eh bien, on est là. Déjà, tu as la force. On est là. Rapside est avec toi. Rapside te soutient. Et Rapside, vraiment, t'encourage dans tout ce que tu fais. Ça me touche vraiment. Voilà, bah écoute, je donnerai ton contact à Claudie, puis vous verrez ça directement ensemble tous les deux, d'accord? D'accord. En tout cas, je te remercie d'avoir été avec nous. Et n'oublie pas de passer le message que Rapside est là, Rapside existe, d'accord? D'accord. Salut. Salut. Salut, Dana. Salut. Alors, moi, j'ai les dernières questions avant qu'on passe au... Mais je vais te couper, il y a une belle ambiance dans ton émission. On aime beaucoup, j'aime beaucoup ça. Ça fait plaisir. Il y a une belle ambiance. On adore. C'est convivial et c'est top. C'est-à-dire que quand j'ai conçu une belle ambiance. Claudie, j'ai tort. Dis-nous tout. Non, tu as raison. Non, mais je la regarde. Regarde. Mais ce que tu viens de lui dire. Quand j'ai conçu cette émission, j'étais présentement. Tout à fait. Toi, non? C'est exactement ça. Alors, Claudie, moi... Regarde, là, tu es dans Rapside et ce soir, donc, je te nomme président de la République du rap. Enfin, déjà, la 80 démocratise le rap en France, on pourra dire maintenant alors, Black Satan. Serait... La Black Force monte, alors il faut que tu t'offres les philosophes. Pardon, excusez-moi. Tu es élu. Tu as déjà été élu. D'accord, j'ai pas besoin de... Okay, non, mais alors, je partais. Laisse tomber. Elle n'a pas suivi. T'inquiète. Attends, on va le laisser sur le fil ou pas fil. Il est parti en freestyle. Je sais qu'il est parti en freestyle. Non, mais Claudie, j'apprends tellement de choses sur toi ce soir. C'est incroyable. Vous savez, quand on fait une émission, il faut savoir garder le bon moment. Le bon moment arrive. D'accord ? Le meilleur pour la fin. Donc, Claudie, je voulais savoir. Donc, imaginons que tu sois président de la République du rap. Qui serait ton premier ministre ? Ah, c'est intéressant. C'est grave. En tant que Premier ministre, il faut que je prenne un rappeur. Oui. Ah bah ouais. Premier ministre, c'est le poste fusible. C'est le plus gros des fusibles. Mm-hmm. Donc, c'est quelqu'un qui doit sauter à un moment donné.
quand tu veux changer de gouvernement, t'es obligé. C'est intéressant, donc il faut qu'il soit capable d'avoir le recul nécessaire pour mettre en place une politique, mais savoir également se retirer lorsque son président lui demande de se retirer parce que le président a peut-être fait une connerie et qu'il veut que ce soit le Premier ministre qui paye. Ouais. Généralement, c'est un sûrement. Quelqu'un en qui je peux avoir une grande confiance, qui est un mec extraordinaire, qui a un esprit, qui est d'une culture extraordinaire, Akhenaton. Quelle est la première loi que tu ferais passer? La première loi que je ferais passer, c'est... c'est intéressant. Non, parce qu'en ce moment, j'ai les Victoires de la Musique dans le collimateur. Parce que les Victoires de la Musique ont fait sauter les deux catégories, Musique du Monde et Musique urbaine. Et là, j'ai les nerfs contre eux. Donc, je pense que je ferai une loi pour obliger tous les médias à avoir un quota de hip-hop. Et toutes les cérémonies dévolues à la musique doivent forcément mettre du hip-hop. Donc, je ferais passer un projet de loi comme ça pour imposer le hip-hop, comme n'importe quelle autre musique. Qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc, c'est une loi contre les discriminations. Finalement, le combat n'est pas fini. Même si on est la musique la plus vendue, c'est dingue. Tu sais pourquoi, en réalité? Parce que tu as des gens qui ont un état d'esprit dans ce pays et ils ne veulent, ils ont le sentiment d'avoir vu trop de noirs et trop d'arabes dans les musiques. Tu sais, Claudie, à la même personne. Tu sais, moi, je dis toujours quoi? En fait, ils s'habillent comme nous. Ouais. Ils ont une identité grâce à notre culture, ouais, mais ils ne nous aiment pas. Ouais. Mais tu sais, n'oublions jamais. Alors, dans ils s'habillent comme nous. Une époque que tu n'as pas connue, mais tout le monde dansait sur les musiques de Bob Marley, mais détestait les Rastas. Oui. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, dernière question, quel est le mot que tu bannirais à jamais du vocabulaire des rappeurs? Moi, j'ai un problème avec certains rappeurs, c'est l'image que certains donnent de la femme. Ça me pose un vrai problème. Et depuis, depuis 20 ans, mais même en termes d'image, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, au moins 20 ans, moi, j'ai jamais arrêté de dire j'ai un problème avec certains rappeurs. Pas avec tous. Moi, je comprends qu'on soit en situation parce que c'est un jeu qu'on joue. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a un moment, chez certains, il y a la dégradation de la femme. Et pour moi, une femme, c'est ma mère, c'est sont mes tantes, sont mes sœurs, sont mes filles. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable. Alors, en termes de mots, non, parce qu'un artiste, il a le droit d'avoir même des mots vulgaires dans ses titres. Ça ne me pose pas de problème. On est dans la création et on est dans quelque chose qui est une fiction. Donc ça me pose moins de problèmes. Mais on est à une époque où tu as beaucoup de jeunes qui sont... Lorsqu'on est jeune, on est une éponge. Et lorsque tu assimiles le fait que la femme est soumise à l'homme, c'est un problème. Et parfois, les rappeurs entretiennent ça un peu dans leurs chansons. Pas tous, heureusement. C'est en train de changer avec une nouvelle génération. Quel mot je bannirais? Je crois qu'il y a certains rappeurs en ce moment qui se disent un peu engagés. C'est une expression que je bannirais. C'est « nègre de maison ». Parce que cette expression-là, elle est insultante envers nos ancêtres qui furent esclaves. Et tous les esclaves étaient des victimes. Il n'y a pas de bons esclaves et de mauvais esclaves. Voilà. Ouais. Et alors, la toute dernière question, est-ce que tu accepterais ma proposition pour lancer les Rapside Music Awards? Mais écoute, à la limite, peut-être qu'il y a une bonne solution. J'obligerai les Victoires de la Musique à remettre la catégorie pop. Et j'aurai également, oui, évidemment, c'est ce qu'il faut. Je ne comprends pas que dans ce pays, il n'y ait pas une cérémonie nationale réelle avec des médias publics ou privés autour de cette musique-là. Mais même en termes d'audience, juste pour le truc basique, l'audience. Ce serait la folie. Tu vois bien jusqu'où parfois le racisme peut aller se loger. Moi, je suis désolé, je sais que c'est la musique la plus vendue au monde, mais moi, sur ma chaîne, je te mets des cérémonies, je te mets des émissions sur cette musique-là. Et le jour où ça marche plus, j'enlève. Terminé. En tout cas, nous, dans Rapside, on est là, on est présents. Merci, Claudie. Merci. Et bien, justement, ici, voilà, elle a tout gagné. Elle a gagné dans toutes les catégories des Rapside Music Awards. C'est notre championne, c'est notre kickeuse internationalement. De quelle origine est-elle? Maintenant, on va passer au fit ou pas fit. Alors, elle va vous expliquer. Donc, le fit ou pas fit, tout le monde doit participer. Personne ne doit s'échapper. À part moi, puisque c'est moi qui... Donc, Éléonore, je te laisse présenter ta rubrique. Alors là, pour le moment, je n'ai pas de micro. Alors tu vas te mettre là. Voilà. Et toi, tu peux te mettre là, tranquillement. Bon, c'est la pub, on revient dans quelques instants. Donc voilà. En attendant le changement de classe, il y a un fit ou il n'y a pas fit? Ok, il y a fit ou il n'y a pas fit? Il y a fit ou il n'y a pas fit? Bah ouais, il y a fit ou il n'y a pas fit? Il y a fit ou il n'y a pas fit? Ok, il y a fit ou il n'y
On va lui mettre son jingle aussi. Hein. Jingle, tu veux du sale, amène-moi le mic. Chez moi, pas d'arrogance, mais tellement d'audace. Les talons, ramène-nous talons. On fait tout poser sur ton salon. On a porté, c'est moi, tu te braques. Chicano, chicano, chicano. Tu veux du sale, ramène-moi le mic. Chez moi, pas d'arrogance, mais tellement d'audace. Les talons, ramène-nous talons. Mon feu s'est posé sur ton salon. On a porté, c'est moi, tu te braques. Chicano, chicano, chicano. Est-ce que vous vous souvenez d'une rappeuse qui s'appelait Rolka? Ouais, bien sûr. Elle, c'était chaud, Rolka. Mais là, c'est un son de Stelina. Oui, elle, mais j'allais le dire, ma chérie. En attendant, celle qui est canon, 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 c'est qui? C'est Stelina. C'est qui? C'est Stelina. Bon, alors. Okay. Je confirme. Comment ça va, si fort? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis en forme. Comment ça va, Claudie? Ça va. Ça va? Si fort, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi. Il y a un fils ou il n'y a pas un fils? Non, c'est pas encore, on va voir, il y a un fils ou pas. Alors, je t'explique ma chronique. Ok. Donc, à la base, je suis chanteuse de variété française, d'accord? Ok. Seulement, tous les samedis, je me transforme en kickeuse internationalement connue nulle part. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, je change d'oblast, je ne m'appelle plus Eleonore, mais je m'appelle Lil Girl Flow. Lil Girl Flow, parce que je suis une girl et que je dis flow bébé. Et d'ailleurs, deux secondes, parce que j'ai mon costume. Oh yeah. Oh, Lil Girl Flow est en rap sale. Bang, bang. Petite sacoche. Ah, elle a mis la sacoche. Parce que je suis rappeuse, mais bientôt, je vais m'acheter de dollar signs. Hein, parce que je vais percer outre-Atlantique. Il faut la mettre devant. La casquette rap side. La petite casquette rap side. Et maintenant, Lil Girl Flow est dans la place. Bienvenue à Lil Girl Flow dans la place. Alors, le concept de mon émission, justement, c'est de faire un crossover. De entre ton émission ou de ta rubrique? De ma rubrique. De ma musique. De prendre ta place. Elle a déjà une émission à elle et elle s'en sort très très bien. Merci, merci. Alors, donc, c'est de faire le crossover entre mon univers qui est la variété française et l'univers des invités qui est le rap. Okay. Seulement là, j'ai rajouté un petit challenge en plus. J'ai pris une petite musique afro. Et moi, j'y connais rien en afro. Okay. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais kicker pendant le premier couplet, la première partie. Et, non, et toi, tu kicks juste après moi. Okay. Tu enchaînes en fait le but. Et Claudie enchaîne aussi. Et Claudie enchaîne aussi. Et s'il vous plaît, cette musique, j'aimerais que tout le monde s'ambiance. Soit vous vous levez, ou soit vous restez assis et vous dansez et vous donnez ça. D'accord. C'est parti. Bon, là, c'est les gars, donnez de la force. On est là, rap side, on est là, Sylvain, on est là, Claudie, on est là, Mélisa, on est là, Tantapal, on est là, Lolo, c'est pas Lolo, Erdi, on est là, attention, levez les bras, j'ai dit, levez les bras, Joker, yeah, viens pas me chercher, viens pas me faire chier, non. Dis, 20 minutes, on fait quoi dans 20 minutes? Dis, 20 minutes, on fait chier par 5 minutes. Eh, toujours dans les parages, ouais, je connais pas les barrages. Hein, me demande pas mon âge, hein, tu sais pas le dosage. Ouais, venu pour tout rafler, je suis venu pour tout casser. Eh, venu pour t'ambiancer, je suis venu. Allez, le mic, y'a pas de passé, j'suis en freestyle. Y'a Claudie, on fait le taf. Tranquille, tu connais, tranquille. Si fort c'est la machine. Quand je prends, dédicace à Babi. Bobé, ok. Quand je prends de la sec sur les tokens, on va faire danser les filles à deux mains. Si fort, cassé. J'suis genre de négro easy, j'suis en Rolex. Quand je prends le mic, c'est que c'est le Prolex. Ouais, c'est le problème. C'est Ferrari rouge, j'attends ça dans ton clip, dans mon clip, amène ça, on a la lobe, je suis à côté, Claudie conduit, je prends le fight, on fait ça, et c'est ça, c'est normal, la bonne vibe, c'est rap side, et quand là, que de la vibe, ici, Claudie prend le micro.
Claudie prend le micro. C'est fou. C'est quoi ton truc? Tu regardes ma Rolex, tu veux ma Rolex? Tu parles de Ferrari, je suis en Ferrari. Célina, c'est quoi ton truc? C'est quoi mon truc? Je viens ici. Ouais. Tu mets l'ego. Tu leur demandes de parler à la radio. La radio, c'est moi. La télé, c'est moi. À la maison aussi. Je fais à manger. Je fais le dormir. Je fais le coucher. Je fais le petit. Je fais le soda. Demande à Vichy. Faut vraiment que tu sois fort. J'amortis tes mots de l'épaule comme. Pour casser le ventilateur. Pour casser le ventilateur. J'amortis sa parole. J'ai la main de Dieu. La main de Dieu. J'ai la main de Dieu. La main de Dieu. Zika. Tasta. Hommage à Manu de Bongo, hein. La folie. J'en ai la phobie. Claudie a dit que la radio c'est lui, la télé c'est lui. Ego trip. Et moi je vous dis les filles, bow down bitches. Bravo. Moi j'ai fait ego trip, je sais pas, je fais bravo. Non mais c'est lourd. Je vais me dire à la maison. Alors, bon, il y a fit ou il y a pas fit? Il y a fit. En tout cas, voilà. Franchement, c'était une émission formidable, vraiment géniale. Alors, pas fini. Stelina, il y a fit ou il n'y a pas fit? Il y a fit. C'est parti. Allez. Je pensais que j'allais esquiver. Non. Je commence à m'échauffer déjà. Bon, écoutez, Stelina, elle n'a pas l'habitude d'être là en tant qu'artiste. Aïe. T'es pas trop. Je vais vous demander de ambiancer avec moi. C'est qui? C'est Stelina. On commence. C'est Stelina. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah ouais, mon bébé. Ce soir je suis célibataire, je déserte. Je n'ai plus d'enfant, oui ce soir je déserte. Je ne suis pas cuisinière, je déserte. Prends tes gamins, tes gamins, fais ce que tu veux mais tu démerdes. Ce soir je suis célibataire, je déserte. Je n'ai plus d'enfant, oui ce soir je déserte. Je ne suis pas cuisinière, je déserte. Prends tes gamins, tes gamins, fais ce que tu veux mais tu démerdes. Chaque matin la même rengaine, il faut que je me réveille. Préparer
les enfants, allez taffer, c'est toujours pareil. Ouais. Ouais. J'en ai marre de cette vie, me demandes-tu souvent de quoi j'ai envie? Non, si seulement tu savais que parfois je peux te haïr comme je m'ennuie. Quand je veux parler, monsieur est trop fatigué. Oh là là là. Pour se caresser, monsieur ne refuse jamais. Yeah. Quand je veux parler, monsieur est trop fatigué. Mais il faut se caresser, monsieur ne refuse jamais. Yeah. Ce soir je suis célibataire, je déserte. J'ai plus d'enfants, oui ce soir je déserte. Je ne suis pas cuisinière, je déserte. Portez de ma tes gamins, fais ce que tu veux, mais tu démerdes. Ce soir je suis célibataire, je déserte. Je n'ai plus d'enfants, oui ce soir je déserte. Je ne suis pas cuisinière, je déserte. Portez de ma tes gamins, fais ce que tu veux, mais tu démerdes. Tes enfants me rendent folle, j'en deviens même gogole. Si tu crois que je rigole, regarde mes vêtements pleins. Ouais. Tu me trouves indigne, je fais trop la manille. Donne-moi tes lui, on verra qui s'allie. T'as déjà lâché mes lèvres, c'est bon ça. Monsieur est trop fatigué. Ah. Mais s'il faut se caresser, monsieur n'en refuse jamais. Quand je veux parler, monsieur est trop fatigué. Mais s'il faut se caresser, monsieur ne refuse jamais. Hey. Ce soir je suis célibataire, je déserte. Je n'ai plus d'enfant, oui ce soir je déserte. Je ne suis pas cuisinière, je déserte. Portez de ma tes gamins, fais ce que tu veux, mais tu démerdes. Ce soir je suis célibataire, je déserte. Je n'ai plus d'enfant, oui ce soir je déserte. Je ne suis pas cuisinière, je déserte. Portez de ma tes gamins, fais ce que tu veux, mais tu démerdes. Parler, je ne veux même pas négocier. Tu peux insister, ce soir je prends ma soirée. Elle a dit ça. Arrête de parler, ce soir je vais m'amuser, me faire belle, me faire draguer, peut-être même faire la tasse P. Ouais. Ce soir je suis célibataire, je déserte. Je n'ai plus d'enfants, ce soir je déserte. Je ne suis pas cuisinière, je déserte. Prends tes deux mains, tes gamins, fais ce que tu veux, mais tu t'émerdes. Ce soir je suis célibataire, je déserte. Je n'ai plus d'enfants, oui ce soir je déserte. Je ne suis pas cuisinière, je déserte. Prends tes deux mains, tes gamins, fais ce que tu veux, mais tu t'émerdes. On a tous déserté aujourd'hui. Non, 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 on n'est pas fatigué. Non, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Eh ben merci, voilà, c'était la petite surprise, voilà. C'est bon, ça va devenir mon hymne. Ah ouais. Non, ça va, c'est mort. Bah ouais. Mais il y a un vrai message derrière, c'est ça. Bien sûr. Il y a un vrai message. Un vrai message, c'est ça. C'est que t'as fait un petit clin d'œil tout à l'heure sur ça aussi. Ouais, non, ça m'a fait kiffer parce que il y a c'est pour ceux qui ont des enfants. Savent comment ça fonctionne, c'est la femme qui dit on gère, faut dire on gère tout, qui dit que moi maintenant je vais sortir, je gère, c'est ça. Donc c'est intéressant, c'est un bon message, me faire draguer, peut-être même faire la tasse, qui sait, c'est un message derrière, il est sympa. Donc voilà, et franchement, cette émission, c'était vraiment lourd. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit sur Upside. Merci à Cifort, vous pouvez le retrouver sur tous ses réseaux. Tes réseaux, Cifort, c'est Cifort, Instagram, Cifort. Voilà. Tu tapes Cifort sur Instagram, S-I-F-O-O-R, ouais. Et tu te retrouves, c'est bon. Et bien sûr, Claudicia, vous pouvez le retrouver aussi également sur Instagram, dans Couleur Tropicale également. Et puis voilà, il fait des lives tous, c'est les vendredis, c'est ça? Ouais, mais on fait du lundi au vendredi. Il fait souvent des lives. Et puis lundi, la télé, c'est lui. La télé, la radio, c'est lui. Voilà, donc vous comprendrez qu'après ce soir, on a percé. Ah, voilà. Bonne soirée, tout le monde.